Alors, ne négligez pas les gens, ne négligez pas les gens. Alors, faut que je puisse partager. Vu que je pense que c'est la première fois que je fais un live ici, faut que vous puissiez vous habituer, hein. Vous devez vous habituer. On s'habitue à ma page. Ouais, comment je fais pour partager? Ok. Je sais que beaucoup ne connaissent pas cette page. Je sais que vous vous habituez. Aura. Aura. Hey, connexion. Wanda Food Karaba. Alors, je partage. Habituez-vous seulement au. Ici, désormais, je fais mes lives. À chaque fois, il dit la même chose après, je monte en courage. Oui. Alors. Je suis où là? Oui. Eh ben. Alors. Ne négligez pas les gens. Ne négligez pas les gens. Mais Angassi n'était pas bloqué. Tu fais encore quoi parmi mes abonnés là? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire là? J'étais bloqué, mais tu fais encore quoi là quand je tape la barre de recherche? C'est pas normal que tu sois encore là alors que j'étais bloqué. Qu'est-ce qui ne va pas avec. Face to face. Qu'est-ce qui ne va pas avec face to face? Maman, il y a un début à tout. Hein. Connectez-vous, il y a un début à tout. Habituez-vous à ce compte officiel. Habituez-vous à ce compte officiel. Je sais que c'est la première fois que je fais le live sur ce compte officiel-là. Abonnez-vous, partagez ce live. Voilà, c'est là que je vais traiter mon histoire. Donc, partagez, abonnez-vous surtout. C'est parce que quand j'ai fait on l'a la première fois là, avec la bourse, j'ai dit, j'aurais dû faire ça ici là. Moi-même, là, je suis souvent toc-toc. Hein. Toc-toc à toc-toc. Connectez-vous, partagez et abonnez-vous sur ma page. C'est une vieille page, mais bon, j'ai eu souvent à négliger la page. Hein. Je ne peux pas être partout. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que j'aurais dû faire le live quand j'avais fait la bourse Lady et tout. J'aurais dû faire ici pour que les gens puissent s'abonner et s'habituer. Mais bon, petit à petit. Petit à petit, je dois nourrir cette page. Petit à petit. Bon, comment je fais?
On s'abonne, on partage. Je sais qu'il y a des gens qui m'attendent, mais bon, vous allez faire comment? Alors que j'ai à lancer le live. Même si c'est 10 heures là, je vais rester là pour vous attendre. Parce que je sais que vous n'êtes pas habitué avec ce compte. Donc, je vais vous attendre. Comme ça, la prochaine fois, vous allez directement me suivre. Voilà. Moi, je suis en train d'identifier mes fans. Non, c'est pas évident, hein? Je vais prendre qui ici, là? Je suis même de quel côté-là, je comprends plus, moi. Attends, j'ai pris chez qui, là, je comprends pas. Ah non, peut-être je sens que le refait. Ah oui, ok, j'ai compris. Non, non, comment ça se fait, ça? C'est pas ça que je veux. Ici, c'est quoi? Partagez, hein, s'il vous plaît. On doit faire notre Congo, ça, sur cette page. La page, ça a été déjà créée depuis From. Juste que c'est, bon, l'oubli, voilà, quand je faisais pas trop aussi des lives, c'est tout à fait normal. Donc, je vous attends, hein, moi, il n'y a pas de souci. Ouais, mais si je. Je sais même plus où je suis là. Si je fais ça, ça va me faire quoi? Ça va me déconnecter ici ou pas? Je sais pas si ça va me déconnecter. Hein. Je vais essayer un truc, je sais pas si ça va me déconnecter. Non, pas pour le moment. Bon, ok. Alors, allez. Mes gens, je vais vous laisser le temps de venir. On va bombarder. Bombardement. Voilà. On va bombarder. Coucou Achille, moi je suis en live. Oh. Si tu es là, je viens de voir ton message. On va bombarder. Le bombardement. Vous aussi, on vous donne l'heure. Bon, c'est vrai que d'habitude, je suis en retard, mais bon, quand même. Mais bon, quand même. Désormais, vous allez me suivre sur la page aussi. Voilà, et que vous allez me suivre dedans. J'aurais dû faire ça avant pour ne pas vraiment. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Petit à petit. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Voilà. On se connecte. Je cherche mes gens. Mado. Ok. Après, il y a Kim. Abonnez-vous, hein. Désormais, je vais faire mes lives ici. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous. Il faut vous habituer. Désormais, c'est ici que je vais faire mes lives. Parce que c'est ici là que c'est plus nyangalisé, c'est plus sucré. Mais bon. Je vous attends. Qu'est-ce que je voulais faire? Ne négligez pas les gens, ne négligez pas les gens. Oh. Ouais, Seigneur Jésus, oh, voilà Zamba. Ah.
Et rigole-moi, sauf que ma chose, oh. Ce sont les choses comme ça qui m'énervent souvent. Ce sont des choses, oh. Quand quelqu'un cherche à tout prix sa malchance, c'est toujours comme ça. Quand quelqu'un cherche à tout prix sa malchance, oh, c'est toujours comme ça. Quand quelqu'un cherche à tout prix sa malchance, c'est toujours comme ça. On se connecte et on dit quoi? Est-ce que ça connecte bien? Ah, abonnez-vous, pardon. Abonnez-vous, je vous attends. On s'abonne. On s'abonne, on s'abonne, c'est votre diva. Voilà, la seule et l'unique, je suis plus à présenter. On va s'habituer avec ce compte, ok? Donc, on s'abonne. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On s'abonne. Désormais, je vais faire des lives ici. Donc, abonnez-vous à ce compte. Tout ce qui est live, je le ferai ici. J'aurais dû vous prévenir la fois dernière quand j'ai fait mes deux lives, mais bon, vous savez. Ouais, bon, c'est pas grave, mais abonnez-vous. Qu'est-ce que j'ai déjà fait, quoi? On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On s'abonne. Je sais même plus quelle lettre que j'ai pris. Tout, 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 tout. On s'abonne. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Je vous attends. Moi, je ne suis pas pressée. J'ai tout mon temps aujourd'hui parce que faut que vous puissiez aussi. Connaître ce compte. Donc, on s'abonne. On s'abonne. Je ne peux pas commencer à parler. Vous n'êtes pas là. Vous êtes où? Ce n'est pas parce qu'on a dit que d'abord, ce n'est pas le 8, le 8 mai partout, hein, que genre la fête, hein, je ne sais pas moi. Moi, c'est que c'est ici. Hein, après, ailleurs, I don't know. Hein. C'est demain qu'il y a la fête, non? Ne négligez pas les gens. Oui, Méluxieuse, vous êtes où, non? Moi-même, là, j'ai fait les choses, non? Oubliez-les seulement. Est-ce qu'on fait ça? J'aurais dû vous prévenir avant, mais bon, c'est pas grave. Vous allez venir. Vous allez venir. Et quand vous allez venir, on va déballer la friperie. Ouais. Quand vous allez venir, on va tout dévoiler. OK? Connaissons lente. Vraiment, le c'est. C'est la sorcellerie. Voilà, bon, bonsoir, bonsoir, c'est votre diva parmi. Voilà, je suis bien présentée. Donc, ici, c'est mon compte officiel, c'est un de mes comptes officiels parce que je ne sais même plus combien de comptes officiels que j'en ai. En tout cas, officiellement, un seul compte, hein, je crois, ou deux. Voilà. Donc, vous allez vous abonner, s'il vous plaît. Déjà, on s'abonne sur ce compte. C'est ici que je vais continuer à vous expliquer mon problème d'arnaque. Et l'arnaqueur, c'est le chien que vous voyez en vidéo, là, avec les lèvres, on dirait les noyaux du porc. C'est lui. Donc, j'ai tout préparé pour vous faire plusieurs lives. Voilà, plusieurs lives. Parce que quand je serai avec mon chéri, je ne pourrai pas
fait le live de Congossa, vous voyez, non, je vais faire les lives neutres. Donc, comme je suis encore open là, donc je peux maintenant, voilà, je peux aboyer, je peux insulter, vous voyez un peu. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner à ma page, parce que c'est ici que je ferai mes lives. D'accord? Je vous invite à vous abonner à ma page. Depuis, je pense, la semaine dernière, dimanche dernier, non, je pense, samedi dernier, c'est plus dimanche dernier, je crois. Vous avez remarqué que j'ai, jusqu'à aujourd'hui, j'ai seulement fait un seul live sur ce arnaqueur. Regardez bien, surtout le live-ci est plus pour les femmes. D'accord? Ce live est plus pour les femmes. Les hommes, là, bon, lui, il est pédé, mais ce live est plus pour sensibiliser mes sœurs, qu'importe les origines, qu'importe la couleur de peau. On partage le live, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ce nouveau compte. C'est ici, là, que je vais faire le Congo, ça. Ne m'attendez plus de l'autre côté. De l'autre côté. C'est qui? Ne m'appelez pas quand je suis en live, s'il vous plaît. Respectez-moi. Non. Coucou, ma chérie, ça fait un bail. Nyon, ça fait un bail, maman. Hey, on oublie sa star comme ça. Hein? Ça fait un bail. J'étais chopée, je pense, hier quelque part. J'étais identifiée. Pour ceux que j'identifie, excusez-moi si peut-être ça vous gêne, mais je n'ai pas le choix. Il faut que j'explique ma situation. Voilà, donc je disais que je vous prie de vous abonner sur ce compte, c'est mon compte officiel, voilà. Et ça sera mon compte officiel de tous les temps pour faire le Congo ça. Donc je profite comme je suis seule, parce qu'après il sera avec mon chéri, donc je ne pourrai pas aboyer devant, ça ne se fait pas. Voilà, vous voyez ça. Même s'il ne parle pas, on ne sait jamais ce que l'homme pense dans son cœur. En plus, on n'y voit rien aussi. Donc, ce rat palmiste qui est devant vous, ce rat avec ses lèvres, on dirait les testicules du chien, j'ai fait presque 7 mois de relation avec ce rat. Oui, vous allez me dire que ben, tu lui crées de rat, mais tu as. Oui, bah ouais, c'est comme ça. C'est deux fois, vous savez, comme on dit souvent. Chez nous au Cameroun, que il y a des femmes qui marchent avec du gris-gris pour attirer l'homme. Tu vois même le mec, il est tellement canon, mais si tu vois la femme avec qui il sort, même tu vois d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a le gris-gris. Et cet individu a une bague, et cette bague, c'est son gris-gris. Voilà, il attire toutes sortes de femmes, il attire toutes sortes d'hommes. Et c'est un double plus, c'est-à-dire il aime les hommes aussi. Preuve à laquelle, là où il vit, en tout cas. Entre guillemets, son adresse de domicile en France, reconnue par l'État français, à Rennes. Beaucoup, beaucoup de blacks l'ont toujours surnommé le PD de Rennes. Ça, c'était sorti de sa propre bouche. Voilà. Et aussi ses amis qui parlaient un peu de ça vite fait. Mais lui m'a donné son point de vue comme quoi c'est parce que, voilà, il foireautait beaucoup de gens là-bas à Rennes. Il se la pétait un peu. Il avait des décapotables. Il avait machin, machin. Donc la jalousie fait que. Les gens ont commencé à dire que c'est un PD. Déjà, décapotable, là, moi, je n'ai jamais vu décapotable. C'est le genre de mec, vous êtes ami avec, vous avez une décapotable, il vient, il se filme avec. Il y a un blanc qui est d'ail depuis, je ne sais pas combien d'années, c'était même son gars. Voilà, le gars, là, c'était le roi, là, était son pineur, son bindailleur. Oui, ça fait longtemps, ma chérie, j'espère que tu vas bien. J'espère que ta famille se porte bien. Bon, tu as vu que depuis que ta dit, on n'est plus dans les réseaux sociaux, elle est tombée sur un brouteur. Maman, laisse seulement. Cherche pas à savoir ce qui s'est passé, mais écoute quand même mon histoire. Voilà. Donc, il sortait avec un blanc qui est décédé. Nous, on dit chez nous, d'ailleurs pour voilà, sensibiliser un peu, ne pas choquer les gens sur mon live. Et. Il a fini avec le Watt. Donc, comme le Watt est décédé, avant que le Watt ne décède, le Watt avait une grande villa à Rennes là-bas, en tout cas, un peu éloigné, dans un petit bled, un peu éloigné. Il m'avait même amené là-bas pour voir. Après, comme le Watt, il avait une décapotable, le gars, il filmait, il donnait la voiture, il donnait le téléphone à son homme. Donc, la femme, c'est qui? C'est le lépreux qui est devant vous là.
Voilà, c'est le lépreux qui est devant vous. Donc, il prenait le téléphone, il donnait au blanc de filmer. Jean, il sort de la voiture, décapotable. Vous voyez un peu le genre là, non? Vous voyez un peu le genre d'individu. Après, il entre dans la maison du blanc, alors que ce n'est même pas sa maison. Ce rat qu'on appelle Théophile, c'est son prénom. Ouais. Ce rat m'a connu. En fait, je commençais un boulot dans la ville d'Almas. Voilà, c'est pas loin de Suisse, c'est pas loin de Genève. C'est en Haute-Savoie, pour ceux qui connaissent un peu la France. Moi, j'étais là, moi. Je me débrouillais, moi, à servir. J'étais responsable en attendant de signer mon contrat. J'avais que fait 3 jours. Parce que je me suis rendu compte que la dame, elle ne savait pas faire des contrats de travail. Elle avait un comptable. Bon, je n'ai pas compris, donc j'ai arrêté le boulot. Donc, avant d'arrêter le boulot, il est venu avec son ami. C'est d'abord son ami qui est venu. J'ai demandé s'il fallait le servir et tout. Et son ami me dit non, il attend son pote. En tout cas, c'était même pas son ami, c'était un petit garçon, un petit Camerounais qu'il a aussi croisé dans sa bordonnerie qu'il faisait à Annemasse. Parce que lui, il est venu, Annemasse fait quoi? Déjà, il était hébergé par sa sœur, il dormait par terre pour un soir, monsieur qui fréquente les ministres en Côte d'Ivoire, incapable de prendre une chambre d'hôtel, incapable de prendre l'auberge, au soin été, au soin, moi je. Dans zéro. Moi, je. Dans zéro. Incapable de prendre même l'auberge. Ce rat que vous voyez en face de moi, c'est. Il dormait chez sa soeur parce que sa soeur a une chambre, un petit salon qui fait aussi cuisine américaine. Bon, cuisine séparée. Bon, c'est pas séparé. La cuisine est au salon. Donc, l'imbécile dormait par terre. Même pas sur le canapé. Par terre, il dormait par terre. Il mettait un drap par terre, il dormait. Voilà. Un pagne, on peut dire. Voilà, là où c'était sa part de place là-bas. Un soi-disant homme d'affaires de la Côte d'Ivoire qui vit à Rennes. Voilà, un bis, quoi, là, comment vous appelez ça? Oh, ma langue, pardon. C'est comme ça, donc, il était venu faire la prostitution en Suisse. Il voulait arnaquer, moi, je connais pas les personnes qui voulaient arnaquer, mais il voulait arnaquer des gens en Suisse. Et il devait rapporter, si ça marchait, une somme de 24 000 euros. Voilà, partagez le live, s'il vous plaît. Vous partagez, vous vous abonnez, s'il vous plaît. On partage et on s'abonne. On partage et on s'abonne, s'il vous plaît. C'est ici que je vais faire mes lives. Tout ce qui est live de Congo, ça, c'est ici. Donc, ne m'attendez pas de l'autre côté là-bas. L'autre côté là-bas, je peux publier du n'importe quoi. Ou faire des simples lives, j'en sais rien. Mais je pense que je vais plus faire les lives ici. Et mes autres comptes, c'est seulement pour publier les ouais, vous voyez, non? Comme ça, on ne s'embrouille pas. Voilà. Sachez que ici, Kongosa ou pas Kongosa, c'est ici que je fais mes lives. Comme ça, vous allez vous habituer. Voilà. Vous allez vous habituer. Vous voyez, l'autre jour, on a fait un live là-bas avec notre boss Lady. Il y a eu plus de 5 000 personnes qui ont regardé ce live. Mais si j'avais fait ça ici, là, c'est que tout le monde est ici là, mais bon, on fait petit à petit. Donc, le gars, il a fini avec Genève et tout, il est venu à Almas, il s'est mis à draguer des prostituées d'Almas, c'est Almas, des filles qui travaillaient dans les bars à champagne. Tout ça, c'est lui qui raconte. Il me montre même, il doit même les femmes, tout ça là. Ah, moi, je ne le connaissais pas. Moi, pour moi, c'est un client. Donc, quand il est venu là où moi, je travaillais au restaurant, c'est même mon ex-patronne, en tout cas, entre guillemets, qui me dit, mais voilà 2 clients là-bas, il faut aller voir ce qu'ils veulent boire. Donc, je sors de ma caisse parce que c'est moi qui faisais la caisse. Je servais la boisson. Après, il y avait une Ivoirienne qui faisait à manger et qui servait uniquement la nourriture. Mais c'est moi qui encaissais tout l'argent, que ce soit la nourriture ou la boisson. C'était mon rôle. Donc, j'étais la responsable du restaurant. Même s'il y avait la patronne qui était là-bas. Elle buvait ses alcools, elle ne gérait même pas les clients. Donc, je sors, je le vois. Je le salue, je dis, je vous sais quelque chose. Un soi-disant imbécile qui sort avec les ministres en Côte d'Ivoire, avec les directeurs de société, que lui-même, il est homme d'affaires. Maman, ils ont pris une formule de 10 euros. Une formule de 10 euros, dont en raison de 4 petites bouteilles de bière, ou 5 bouteilles, je ne sais même plus, entre 4 et 5 bouteilles, formule de 10 euros. Quand tu le vois, l'imbécile, tu crois qu'il a l'argent, alors qu'il est comme ces culottes percées qu'il portait souvent là.
Tu ne peux pas être homme d'affaires et tu viens boire une formule de 10 euros. Ouais, Adama. Et tout ça, même là, qui a payé, c'est le Camerounais qui a payé. Ah, moi, est-ce que moi, je les connaissais au départ? Après, on sympathise, machin. Il voyait mes tatouages. Il n'avait jamais vu une femme africaine tatouée. Il croyait même que je sortais peut-être de la prison, ou alors j'étais peut-être une star, ou je ne sais pas. Dans sa tête, sa tête chauffait, il n'arrêtait pas de me regarder déjà, il bavait quoi. Moi, je faisais moi, mon walk. Vers la fin du service, il me demande si j'habite dans le coin. Je dis non, moi, je n'habite pas dans le coin, je suis juste venue, voilà, comme ça, blablabla. Après, il me dit, ben, je fais quoi ce soir? Et que ben, moi, je suis fatiguée, je vais rentrer. Donc, lui et son pote camerounais, mon motif à sortir à Genève, parce que Genève, bah, c'est à côté, sincèrement, c'est à côté, c'est quoi, 15 minutes en voiture, même pas. Voilà, c'est comme ça alors que moi, voilà alors qu'il me met moi-même dans les problèmes. Voilà d'où mes problèmes commencent avec ce brouteur, ce gigolo, ce arnaqueur. Je prends mes pieds, je pars avec celui-ci. Et son Camerounais, on part à Genève, on boit un verre. Le Camerounais encore paye. Après, quand on va maintenant rejoindre la voiture du Camerounais, l'Ivoirien, il voit les prostituées en vitrine. Il dit à son ami que bon, quand on va la déposer, on revient ce soir, machin, machin, machin. Moi, je suis venu faire la fiesta, blablabla. Bla, bla, bla. Soi-disant l'ami des présidents en Côte d'Ivoire. Le voici ici. Ce rat, ce chien. Ce PD, c'est lui-là. C'est là que je dis que donc, vous m'avez amené ici à Genève pour venir chercher vos wakas. Au moins, respectez les gens avec qui vous êtes. Il commence à rigoler. Il dit non, ne prends pas ça mal, mais elles sont belles, hein, machin. Il dit que ben, ça, c'est votre vie parce que moi, je le vous voyais. C'est votre vie, vous faites ce que vous voulez, mais pas devant moi quand même. Oh, il y a quand même le respect. Voilà. On sait que la Genève, c'est le coin des wakas. Donc, pas besoin de venir. Je sais pas, ça, moi perso, moi j'ai pas aimé. Voilà. Et je me suis dit, mais avec quoi je me suis mélangée comme ça là? Bah après, il s'est excusé et tout. On est rentré. Donc pour le punir maintenant de ce manque de respect, je lui ai demandé de me déposer chez moi. Et de la ville de sa sœur à ma ville, c'est 1 heure et demie. Il prend la voiture de sa sœur. D'abord, il me dit même pas que c'est la voiture de sa sœur, hein. Il prend la voiture. Fon, 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 fon. On arrive chez moi. OK. Après, je lui demande que j'ai vu un jacuzzi, machin, que j'aimerais voir si peut-être qu'à Confo, c'est moins cher ou comme c'était les soldes, si peut-être c'est soldé et tout. Il m'accompagne donc avec la voiture de sa sœur à Confo. Voilà donc que je tombe sur un jacuzzi, 4 places. Jacuzzi, c'est quoi? Ce sont les mini piscines gonflables là qui fait l'eau boue comme la casserole au feu là. C'est ça que nous on appelle jacuzzi pour ceux qui ne vivent pas ici en Europe. Hein. Donc, c'est comme ça donc on prend parce que c'était. Oui, le prix était abordable. Et quand je veux passer en caisse, je dis est-ce que je peux payer en 4 fois? La dame dit mais non, vous pouvez même payer en 10 fois si vous rajoutez encore peut-être 15 euros d'achat. Mais à Confo, vous trouvez quoi 15 euros ici-là? Donc je prends un peu des petits bricoles, les bonbons, les machins, pour que ça fasse la somme qui me permettait de payer en 10 fois. Soit disant, je ne sais même pas si c'est même en 10 fois. Et là, vous me voyez, c'est bon, bref. C'est comme ça donc que je prends. On me fait une carte. Tout ça encore, moi voilà encore qui est encore dans les problèmes, sans savoir. On nous dit de passer, chercher ça derrière et tout. On passe, on prend, on met dans la voiture. On amène ici chez moi. Et maintenant, on amène chez moi, pardon, là-bas chez moi. Et maintenant, pour le remercier, je dis que bon, on va au resto. Vous savez comment je suis femme resto. Je l'amène dans mon restaurant préféré dans ma ville. Il dit que lui va payer, non? N'est-ce pas, on mange. Facture, 48 euros, quelque chose comme ça, là, pour nous deux. Le duo se lève avec ses noyaux. Que lui, il est gentleman.
Qu'il est dit que le man, voilà qu'il prend ses noyaux, il se lève pour aller payer. Donc, la carte bleue dit que laisse-moi tranquille. Il essaye encore. La carte bleue dit que on t'a seulement envoyé, papa. La honte. Heureusement que j'avais des espèces sur moi. J'avais 50 euros, même pas des, j'avais 50 euros sur moi. Plus ma carte bancaire, qu'on ne sait jamais. C'est comme si je sentais ça venir. S'il te plaît, tu peux m'avancer vraiment. Je ne sais pas, ma carte bancaire. Voilà là où ça a commencé. J'ai même senti ça. Mais comme on dit que le diable est fort, le grimba de ce gars est fort. Moi, voilà donc, je donne mes 50 euros. Je dis que voilà mes 50 euros. Il dit que non, je vais te rembourser ou je passerai au boulot. Mais si tu n'es pas là, je donnerai à ta patronne, elle va te remettre. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Il dit que ce n'est que 50 euros. Il paye, on rentre. On vient chez moi et tout. On fait ce qu'on a à faire. Il dit qu'il se repose un peu parce qu'il doit prendre la route après. Il dit que papa, il n'y a pas de souci. La chambre est là. Il s'est mis à dormir. Quand il se réveille, je ne sais plus là où nous sommes partis. Au retour, il me dit si je peux lui prêter 20 euros. Il met l'essence dans la voiture de sa soeur. C'est donc là que j'apprends que c'est la voiture de sa soeur, de sa grande soeur, qui vient en masse. Il dit, attends un peu là. Donc tout ça là, même là, c'est pas ta voiture. Il me dit non. Il dit que, mais attends, finalement tu me prends pour qui? Tu viens dans ma ville, on va manger. Soi-disant ta carte bleue ne passe pas, je te prête 50 euros. Et là maintenant tu vois encore que je te prête 20 euros. C'est écrit banque pute ou quoi? Je sais pas. Il s'énerve. Il dit que bon, laisse tomber. De toutes les façons, tu as raison. On ne se connaît pas encore, mais moi je ne suis pas un gigolo, machin. Maman, mes chéris, c'est un gigolo bien crassé. Bien crassé. C'est-à-dire, c'est le roi de ce gigolotisme. Le roi des enculés, c'est lui. Mais toi, Oulari Théophile, je vais te mbinda. C'est-à-dire, 99 jours pour le voleur. Un seul jour pour le grand patron. Tu as bouffé l'argent de plein de femmes ici dehors. Tu dois l'argent comme ça, là. Plein. Elle est 20 000 euros. Elle est les 1 000 euros. Elle est 500 euros. Elle est 200 euros. Elle est je ne sais pas quoi. Mais mon argent, je ne te laisse pas avec. Mon argent, je ne te laisse pas avec. Tu as dit à ton patron que tu ne me devais rien. Tu mens même à ton patron. Celui qui te donne même. Si le monsieur là te vire là aujourd'hui, tu vas boire la rata. Et je ne comprends pas pourquoi dans ce monde-ci, c'est les vraies personnes meurent. Mais les idiots, les sorciers sont toujours là vivants. Moi, je n'ai jamais compris le monde qu'on appelle la Terre-ci. Je n'ai jamais compris ça. Quand tu es bien, tu es quelqu'un de bien, tu meurs vite. Mais quand tu es sorcier, tu restes. Donc ça, je ne comprends pas. Il faut que Dieu vienne me dire ce qui ne va pas. Si c'est normal. Donc, je ne paye pas l'essence. Il part. Il dit que tant pis, là où la voiture va caler, ça va caler. J'ai seulement dit au fond de moi que ce n'est même pas mon problème. C'est comme ça qu'il retourne en masse. Quand je repars voir la dame pour qui je devais travailler, que j'ai commencé à travailler, je lui demande que, mais est-ce que l'Ivoirien est venu te remettre mon argent 50 euros? Elle me dit que non. Ah, mais moi je croyais que. Moi, j'étais mis en couple avec lui parce que je savais bien qu'il n'était pas mal. C'est un homme mûr et blabla et blabla. Mais je ne savais pas qu'il te devait 50, jusqu'à 50 euros et tout. Il dit, ah, la journée n'est pas encore finie, on attend. Il vient le soir, il me trouve, il commande à manger, il commande une formule. De nouveau, il était seul. Et c'est là qu'il me file donc mes 50 euros. J'ai dit donc à la dame que, ah, on a vite parlé, oh. Mauvaise bouche, mauvaise langue. Voilà mes 50 euros qu'il m'a remis. Elle dit, ah ouais, je vais aller lui demander pardon parce que c'est quand même mon frère, il voit rien, c'est monté, c'est descendu. Ding! Le gars ne me lâchait plus. Parce qu'il avait trouvé sa mboute. Voilà, son gibier, il s'est collé à moi. Comme maintenant, c'est le love, 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 love. Ah, moi, je me suis jamais fait arnaquer. Donc,
Je n'avais pas cet esprit-là en tête que non, c'est un brouteur ou machin. Moi, je n'ai jamais croisé les brouteurs. Moi, on m'a toujours dit que les brouteurs, c'est dans les. Vous appelez ça comment là? Les internets et tout ça là. Bon, bref. Il rentre chez lui à Rennes. Moi, je rentre chez moi. Après, il part à Paris. Soit disant qu'il avait une mission à Paris. Après, on s'est mis à parler, 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 parler. Il me dit, bon, moi, je t'invite à Rennes et tout. J'ai dit, mais pour combien de jours? Il me dit que non, c'est moi qui décide, soit pour une semaine, 15 jours, comme ce sont les vacances. J'ai pas les enfants. Bon, c'est moi qui gère, quoi. Il dit, ok. Il dit que bon, comme tu m'invites, tu me payes le transport. Il me dit, oui, mais tu peux regarder les billets d'avion, maman. Tellement le gars a vu votre diva. Ah ben, diva, c'est pas quand même, hein? C'est pas petit, non, hein? Au lieu de me dire que prends même le train ou le car, le gars me dit de prendre l'avion parce qu'il a vu que j'étais un poids lourd. Ouais. Par rapport à tous les petits waka avec qui l'ambinda dehors là. Les chiffons qu'il a eu là dehors là. Oui. C'est vrai que merde, le gars, ça me valorise. Il me dit de prendre l'avion. Il dit, ben, papa, si je prends l'avion, c'est toi qui dois payer l'avion. Il dit, non, paye, je vais te rembourser. Moi, je ne me suis pas gênée. Je ne vais pas vous mentir, je ne me suis pas gênée. Je n'ai pas pris l'avion, j'ai pris le car. Voilà, je suis arrivée. Le cas où le train, je ne sais plus. Je suis arrivée. Il a eu 20 minutes de retard. Je l'ai d'abord incendié à la gare de Rennes. Que moi, diva de son état. Hein, tu viens, tu me fais venir dans ta ville et tu me fais poireauter, machin, machin. Il dit que ouais, pardon, la star, c'est sur les réseaux sociaux, blablabla. Bon, on part. Je vois qu'on prend le bus. Il dit, hein? Il dit, mais on prend pas le taxi. Il me dit, non, il sait pas les conneries. Non, il me dit qu'il me fait visiter la ville. Il dit que, ben, mon frère, Rennes, moi, je connais Rennes. Hein? Donc, je n'ai pas besoin qu'on me fasse visiter Rennes. Il me dit que oui, mais tu ne connais pas mon coin, blablabla. Donc voilà, on prend mes bagages, on part, cougna, 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 cougna. On arrive dans un HLM, pas mal, parce que moi, quand j'ai des problèmes avec quelqu'un, je ne vais pas dire que machin, 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 non. Je ne suis pas le genre qui vient chez toi, si ta maison était propre, je vais dire que c'était sale parce que toi et moi, on a des problèmes. Non, son HLM était vraiment bien, propre, l'extérieur. Dans sa maison, le salon était, bon, on peut dire sur 10%. Voilà, on va mettre 6, 6%. Voilà, parce qu'il y avait un peu la table un peu bizarre, les chaises un peu bizarres, mais la cuisine alors sur 10%, c'est 2%. Parce que la cuisine d'un homme qui courtoie les ministres, les chefs d'entreprise, je suis désolée. Même n'a pas encore, même était encore 10 fois mieux que la cuisine de ce genre d'individu. Il me dit qu'il est célibataire, il vit seul, blablabla, que d'habitude quand il fait même venir les femmes ici, d'abord c'est rare. C'est soit il part chez la femme. Soit il va à l'hôtel, et même s'il fait même venir une femme chez lui, ici, là, d'abord, un sera, et peut-être c'est seulement pour le week-end. Mais moi, j'étais déjà là-bas, ça faisait 15 jours. Premier soir, d'abord, il m'amène, parce que lui, il aime le mouvement. C'est ça aussi qui m'a attirée, parce que moi, j'aime aussi le mouvement, et moi, mon homme, il faut qu'il aime sortir. Les restaurants, les balades, les boîtes de nuit, les petits pubs. Moi, j'aime pas besoin de prendre des bouteilles de champagne, machin, ou non. Même avec une seule bière ou même un verre, c'est 12 euros. Moi, je fais ma soirée déjà avec. Voilà. Donc, on avait un peu on appelle ça comment, loisir. On part dans un restaurant qu'on appelle à Rennes-la-Base. Comment ça s'appelle ce restaurant-là? Amazon. Non, c'est pas Amazon. C'est Amazon ou quoi? Bon, bref, je vais pas faire la pub du restaurant. On arrive au restaurant. Maman, vous connaissez le milieu des Africains. J'ai failli vous dire que tapoter, quoi, que c'était sur TikTok ici, là. On partage le live, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez partagé, je ne vois rien du tout. Partagez, abonnez-vous surtout, parce que c'est ici maintenant que je fais tous mes lives. Ça, c'est un de mes comptes depuis, mais que j'avais négligé. Voilà. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît. Partagez au max. Partagez aux gens qui aiment le Congo, ça. Au max. Voilà, partagez à mes amis, partagez à mes anciens ennemis. Aujourd'hui, je rigole, mais bon. Il m'amène à la soirée et tout. Il choisit ma tenue. Je m'habille en mode pétasse un peu cuit. Là, vous voyez, non, les loulous, maman. C'est le décolleté que vous voulez voir. Il voulait que je montre mes tatouages. C'est-à-dire un villageois qui n'a jamais touché la peau d'une blague tatouée, quoi. Voilà. Comme lui-même, il avait dit que ce sont mes tatouages qui l'ont attiré. Et ma couleur de peau. Parce que le gars. Plus tu es clair de peau, même si tu es laide comment, lui, c'est
l'histoire de clair de peau là. Ou dans son secte, on lui a dit que sauf que les femmes claires de peau ou les blanches ou les métisses. Lui, si tu es noir là, il n'est pas dedans. Il faut que tu sois clair de peau, métisse ou blanche. C'est selon ses goûts, c'est soi-disant goût là-bas. Mais incapable d'assumer une femme. On part au restaurant. On arrive, vous connaissez le milieu des blacks. Mais c'est quoi ça? Plus il y a les wow, dans les clients qui aboient, plus il y a encore la musique à fond et que merde. Mais j'ai quand même aimé le style. Voilà, les gens sont venus le saluer. Ils disent que c'est madame. Donc, vous dites que c'est madame ici, oui. Et dans tout ça, là, j'étais soi-disant madame. Mais j'avais au moins 4 rivales le soir, là. Oh! Ah! Ah non, les hommes. Adama, on peut faire ça. J'avais au moins ce jour-là, ce soir-là, 4 rivales. 4. En tout cas, les femmes, hein, je ne sais pas s'il y avait aussi les hommes. Mais moi, on m'a montré 4 femmes. Voilà mon ex là-bas, j'ai plus le doigt. Voilà mon ex là-bas, j'ai plus le doigt. J'ai demandé au fond de moi que est-ce que le Dieu, même s'il sait même qui est Diva, est-ce qu'il me connaît même? Les bêtises qu'il fait là-même, il sait même à qui il a même affaire. J'ai fait ma bouche, je ne dis rien. Il m'a connu calme, non? Je reste calme, j'en vale. Après, il y avait une Camerounaise, grande taille, une très belle femme. Il paraît qu'elle est musicienne. Maman, je ne sais pas si tu es musicienne ou je ne sais pas. La Camerounaise, elle était habillée en jogging. Dès qu'elle a vu son gars, qui est donc ce gigolo qui est en face là avec qui je suis sortie, elle est partie s'échanger, elle revient 45 minutes plus tard, sexy maman, na sexy day. Hey. Je me suis mis à rigoler, il me dit que tu rigoles quoi, que, on peut faire ça. Il me dit, ah, elle n'a qu'à se mettre même nue. Moi, quand je vis, c'est-à-dire le gars est orgueilleux. Il ne pète pas. Il ne chie pas. Il méprise tout le monde entier. Et c'est comme ça que tu vas aussi mal finir. Même si tu lui donnes de l'eau à boire, il te méprise. Tu lui donnes à manger, il te méprise. Il croit que dans la beauté, même tu n'as même pas. Regarde tes doigts. C'est-à-dire ta maté qui est là avec une binda, avec un sympangé, et tu es sorti. Tu as plutôt pris les doigts de ton père. Regarde tes doigts. Regarde tes doigts. Karine, bonsoir ma chérie, comment tu vas? Regarde tes doigts. Il n'y a que partager ce live. Partagez, vous vous abonnez aussi. C'est ici là que je veux parler de mon histoire. Tant qu'il ne me remet pas mon argent, je vais parler de mon histoire ici. Qu'il aille me porter plainte. Qu'il aille, je ne sais pas où, je m'en bats les steaks. C'est ici. En parlant même de plainte, là, j'étais à porter plainte. Et ce n'est pas fini. Et dans plainte on m'a conseillé d'aller écrire au procureur de justice et à la préfecture parce que l'imbécile travaille en Côte d'Ivoire, il touche les aides d'État en France, il ne déclare rien du tout. Voilà. Il ne déclare rien du tout. Donc, t'inquiète pas. Je vais tout balancer. Tu n'es pas mon frère. Tu n'es pas mon cousin. Voilà, tu es un anarqueur. Tu vas dire à ton patron que tu ne me dois rien. Bientôt même, tu vas dire que tu ne me connais pas. Hein? Bientôt, tu vas même dire que tu ne me connais pas. Mais j'ai toutes les preuves que tu me dois 4600 euros. Que tu m'as pris en petit cranche. Petit, passe-moi 30 euros. Passe-moi 40 euros. Passe-moi 460 euros. Passe-moi là. Quand on fait total là, ça donne ça. Et si tu sais que tu m'as jamais vu nu, écoute-moi très bien, parce que je sais que tu es dans mon live. Si tu sais que toi ou là, il te file, avec tes lèvres, on dirait les testicules du chien, que tu m'as jamais vu moi, Pamela, nu. Si tu sais que tu m'as jamais mougou, si tu sais que tu n'as jamais bu mon eau, si tu sais que tu n'as jamais mangé ma nourriture, va en paix. Mais au cas concret de tout ça, là, même la malédiction, même maudit que j'ai dit que je vais te maudire, là, ça serait petit de ce qui va t'arriver. Ça serait petit de ce qui va t'arriver. On ne mange pas l'argent de n'importe qui. Ton patron cherche à faire la paix. En tout cas, ton patron cherche à faire en sorte que tu me remets mon argent, qu'on trouve une solution. Toi, tu vas lui mentir que tu ne me dois pas les sous.
Tu écris tous les jours à Solange Bi, ma boss le dit. Tu racontes des bobards avec des faux profils, mais je t'emmerde. Mais je t'emmerde. Tu as compris ou pas? Tu es tellement bête, comme tes noyaux. Parce que si tu veux connaître ma vie, c'est plutôt celle à qui tu vas m'insulter que tu dois demander qui est Pamela. Parce qu'elle, elle connaît ma vie. Comme tu es tellement bête. Donc, je vous expliquais qu'au restaurant, il avait quatre maîtresses. Ils sont même les enfants de 20 ans, alors que lui, il a 40. Ce mois-ci, le 18. Le 18 de ce mois-ci. Je vais te maudire le 18. Le jour de ta naissance. J'attends le 18 là. Moi, j'ai dit, je vais te maudire. Je ne pars pas dans les faux profils, te salir ou t'insulter. Je le fais ici, en live. Écoute-moi bien. Le 18 mai, je vais te maudire parce que c'est la date de ta naissance. Oui. Et quand je vais te maudire, si tu sais que tu ne me dois pas mon argent, même si c'est 1 euro que tu ne me dois pas, toi-même, tu verras le karma de ça. D'accord? On ne mange pas mon argent. Plusieurs fois, j'ai dit à mon entourage que non, je vais lui laisser avec. Je suis quand même sorti avec. C'est pas grave. Moi, je suis comme ça, j'ai un bon cœur. Quand je suis en couple ou même quand je ne suis pas en couple, même dans des amis, la famille, j'en vois. Il y a des gens, j'ai même des fans ici là qui peuvent témoigner. J'ai 2 ou 3 fans que 2 fois, quand ça me pique comme ça, là, j'en vois, même si c'est 1 euro, c'est le geste qui compte. Avec tes lèvres comme les lèvres du vagin de ta mère, tu viens dire à ton patron que tu ne me dois pas mon argent. Après, quand vos vies ne vont pas marcher ici dehors, vous allez dire que oh, j'ai fait quoi au Seigneur pour mériter ça? Vous oubliez ce que vous avez fait derrière. Je vais te cuire. Je vais te presser tes noyaux. Je vais te faire boire ton sang là. Comme tu es même dans les sectes là. Je vais te faire ça dur. Karine, bienvenue au club, maman. Je vais te faire ça dur. J'attends le 18. Parce que j'ai voulu te maudire hier. Écoute-moi bien. J'ai voulu te maudire hier. Mais j'ai laissé. J'ai dit que bon, je vais te maudire aujourd'hui. Mais maintenant, comme je pense que ton anniversaire, c'est le 18 là. D'abord, mais il faut que je... Pardon, dites-moi un peu, le 18 tombe quand, s'il vous plaît? Parce que mon deuxième téléphone, c'est j'ai enlevé le calendrier. Il faut que je voie quand est-ce que le 18 tombe. Parce que si ça tombe un dimanche, moi, je suis chrétienne, je ne vais pas faire ça un dimanche. Mais en tout cas, bref, même si ce n'est pas le 18, quand ça va me piquer, même ce soir, je vais te maudire. Non, ma chérie, Dieu n'est pas grand. Il faut laisser Dieu tranquille. Parce que si on passe tout notre temps, on dit que Dieu là, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé de venir m'escroquer mes 4600 euros. Je suis désolée. Et de sous quoi son patron, qui a une grosse société en Côte d'Ivoire, cherche à régler le problème, ce fils de pute dit à son patron qu'il ne me doit rien. Mais il passe son temps à aller sur TikTok m'insulter chez Solange Bi. Tu crois que tu vas m'insulter chez la boss et dire que Solange ne connaît pas quoi sur moi. Donc toi, tu es arrivé hier, il y avait tes noyaux. Dis comment moi, je suis sale. Tu es venu chez moi, ma maison est sale. Je vais te dire un truc. Toi, le rat palmiste de la Côte d'Ivoire là, qui vit à Rennes, qu'on a mis dehors parce que tu ne payais plus tes factures. Sûrement, tu n'as qu'une fille là-bas, elle te payait ton loyer, elle a arrêté de payer tes factures que ton propriétaire t'a demandé de sortir. J'ai tous les voices, je vais faire écouter tous les voices là, tout ça là, ici dedans. Moi au moins, à mon âge là, qui suis ta petite soeur, je loue une maison. Ouais, ouais, mon gars. Ma maison qui est ça là, au moins c'est maison, c'est pas appartement HLM. Voilà même que maintenant l'État fait la nouvelle loi, vous allez tous sortir. Vous qui bouffez l'argent de l'État, soi-disant vous ne travaillez pas alors que vous travaillez à l'étranger là, on va vous virer dehors. D'abord, toi, on t'a viré. Je vais faire écouter un message là où toi-même tu assumes qu'on t'a déjà viré. Étape par étape, on est où là? Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Je te jure que tu vas lire l'heure. Je ne peux pas te lâcher. Je ne peux pas. Voilà, tu essaies de noter tout, en fait. Non, c'est pas ça. Et qu'est-ce que je viens de dire, ma chérie? Non, c'est pas ça. Ma
Maintenant, Ouais, c'est pas ça. ouais, coucou, je respecte du coup. Ouais. Je vais voir sur le truc de... Ouais. Concernant Tu as ta... vu tous les vols ceci? Maintenant, pour le... Hey, tu as vu tous les vols ceci, non? Ouais, je lui dois pas de l'argent. Tu as vu tous les vols ceci, non? Le goût de ça. C'est une belle personne. Déjà, la police m'a contacté hier par email. J'ai mis ta grosse tête, j'ai publié ça. J'ai caché certains éléments. Pour que j'envoie les preuves. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Maintenant, Tu vas lire l'heure. Je vais te maudire. mais qu'est-ce que Ouais. Je vais te maudire. quand tu me présentes, Je vais te maudire. Tu vas me donner mon argent. je conseille. Tu vas me donner mon argent. Je m'en Tu fous. sais, ça fait... Même si Dieu me punit, ou même si Dieu, je m'en fous. Voilà. Écoutez bien ce. Ça, c'est son dernier voice. Quand j'avais à payer son billet d'avion. Oh, j'ai même mis ça où encore, non? C'est son dernier voice. Quand j'avais payé son billet d'avion, il était à Paris. Il attendait son jour. Donc, le 11 février, il avait voyagé. Écoutez bien. Un imbécile, un rat palmiste qui vivait dans un HLM à Rennes. D'accord? Qui vivait dans un HLM à Rennes, soi-disant homme d'affaires de mes couilles. Soi-disant un homme que son patron l'envoie. Il dit même que son patron l'envoie coucher avec certains ministres pour avoir, ou je ne sais pas quoi, ou pour avoir, pour signer des contrats, tout cela. Écoutons son dernier voice ici. Si je me trompe même pas. Ça fait Non, c'est pas ça. salut, j'espère que tu vas bien. Préalablement, avant de parler, je te dis merci déjà. Attends, tu me dis merci pourquoi? Préalablement, avant de parler, cochon, cochon, avec le kwashiorkor que tu as en toi, avec toutes les maladies transmissibles que tu as en toi, cochon, 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 cochon. Tu me remercies pourquoi? Si on te demande aujourd'hui que le voice que tu as fait, tu l'as remercié, c'était par rapport à quoi? On écoute. Je dis merci. J'avais déjà dit aussi à mon cousin, mon petit-neveu, pardon, de te dire merci. Voilà. Tu me dis merci pourquoi, n'est-ce pas? Tu ne me dois pas mon argent. N'est-ce pas? Tu ne me dois pas mon argent. Mais attends, putain de merde, moi, je ne peux pas aller dire merci à un individu que je ne dois rien, quoi. Ah ben oui, allô, quoi? Ah ben oui, allô, quoi? Je m'en fous même des 4 600 euros là, mais je vous jure sur la tombe de mon fils. Mon premier fils que je portais dans mon ventre aussi. Je te jure, Oulaye Tofil, tu vas payer. Wallah, tu vas payer mon argent. Je n'ai jamais souhaité quoi que ce soit de mal à quelqu'un. Mais je dis, tu vas payer mon argent. Tu montes, tu descends. Je serai ton cauchemar à vie. Toi et moi, là. Toi et moi, il n'y a que la mort qui va nous séparer. Wallah, je vais te faire ça dur. Voilà mon ventre que je tape. Tu vas payer mon argent. Tu as compris? On écoute ton voice. Je te dis merci. Et moi, je t'ai pas bloqué. Et puis hier, une... Un fils de pute qui m'avait bloqué, il manque, il m'a pas bloqué. Quand j'ai dit bloqué, là, il m'avait bloqué sur Facebook. Hein. Ce renton m'avait bloqué sur Facebook. On continue. fait qu'il m'envoie des messages, plein de messages, il fait que m'appeler. Vous me dites de t'appeler. Moi, là, je suis malade. Voilà, depuis là. Tu es malade, ça c'est rien ça. Le cachet-cachet que tu fais là, qui te bouffe le sang tous les jours là, ton sale sang que tu as là, ça c'est rien. Tu dis que tu es malade, non? Ça c'est rien, ne me remets pas mon argent, on La continue. dernière fois, je suis malade. Donc, il m'a envoyé plein de messages. Jusqu'à ce matin encore, il essaie de m'appeler plusieurs fois, de t'appeler. Moi, là, je t'envoie un message. Parce que là, ces temps-ci, j'ai vraiment pas envie de discuter ni de polémiquer. Voilà. Le Concernant grand le... français. Maman. Désolé. Quand ça va aller mieux. Quelqu'un qui est soi-disant. Quelqu'un qui est soi-disant vit en France. Il est homme d'affaires. Il ne fréquente que des stars comme Moniseka, comme plein, 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 plein de stars.
Mais le footballeur, il est dedans. Mais tu es malade en France, incapable de te faire soigner. Mentir même que tu as, tu mens même que tu es un médecin traitant. C'est quel genre de médecin, attendez un peu, attendez un peu. C'est quel genre de médecin traitant en France? Tu parles aux voix, tu dis que tu as la toux, tu as la grippe. Petite toux et petite grippe. Un médecin est incapable de soigner un patient. Question. Question. Tu es un voyou, tu n'as pas de médecin. Tu es un voyou, tu n'as pas de médecin. Tu as failli mourir chez moi et ça, tu étais à 41 de fièvre. J'ai voulu appeler les pompiers. Tu m'as mal parlé. Tu ne voulais pas que j'appelle les pompiers. Pourquoi? Tu ne voulais pas aller à l'hôpital. Pourquoi? Tu caches quoi? Tu caches quoi? Il a fallu que je n'écoute pas et que j'appelle les pompiers. J'ai fait 2 heures au téléphone, ce fils de pute. Je suis resté le jour de Nouvel An 2 heures au téléphone pour un bâtard. On Je continue. pense que je vais t'appeler pour qu'on puisse discuter. Voilà. Et moi, j'étais jamais, j'étais pas bloqué. Hein. J'avais même bloqué. Ça, je l'ai. Désolé. Quand ça va aller mieux, je pense que je vais t'appeler On tapote ton pour qu'on puisse partage, s'il vous plaît. Il n'y discuter. a pas de Voilà. partage là. Et moi, j'étais jamais, j'étais pas bloqué. Hein. J'avais même bloqué. Ça, je lui ai dit, je suis bloqué. Tu as dit que tu penses que tu vas m'appeler. N'est-ce pas? Tu es guéri là-bas en Côte d'Ivoire. Tu m'as appelé? Non. Tu te permets, quand j'envoie les gens de ton entourage te réclamer mon argent, tu te permets de leur dire que tu ne me dois pas de l'argent. Tu te permets maintenant de m'insulter. Voilà le défi que je te donne avant que je finisse ton voice aussi. Oulari. Oulahi. H-I, Théophile, si tu as noyau, si tu as ce qu'on appelle testicule entre tes jambes là, tu as un compte Facebook, va mettre tes noyaux là-bas, tu fais les lives sur moi, tu vois. Si tu sais que tout ce que je raconte, c'est faux et que tu as tes preuves à toi, parce que ce soit en Afrique ou à l'Occident ou je ne sais pas quoi, les preuves comptent. Les preuves comptent. Donc, toi, Oulahi Théophile, si tu sais que moi, je ne te dois, tu me dois rien, et que c'est plutôt moi qui te dois, il n'y a pas de souci. Lance un live là-bas. Tu demandes à la boss lady de me signaler que tel jour tu fais le live. Je vais venir avec mes abonnés parce qu'il veut que je le fabrique. Cet individu, il a soi-disant créé, vous appelez ça comment là? Les livraisons en Côte d'Ivoire là-bas, où c'est vraiment pour lui, oh, ce que moi-même je me pose comme question. L'imbécile, quand il publie une publication, que ce soit vidéo ou photo, vous revenez un mois plus tard, il n'a que 3 vues. Donc imaginez-vous que il veut que moi je lui donne la possibilité d'avoir plus de vues et des abonnés. Tu n'auras pas. Moi, je vais t'appeler par ton nom de famille. Tu peux appeler mon nom, moi je m'en fous, c'est le nom de ma grand-mère. D'accord? Tu peux appeler mon nom, moi je m'en fous, c'est le nom de ma grand-mère et mes deux prénoms. Tu peux, viens dans mon live là, écris ça et cela, je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est un poule grillé. On continue. Okay, moi, je t'ai jamais bloqué. Donc, je sais pas d'où tu sors ça. Moi, je t'ai jamais bloqué. Je t'ai déjà dit, moi, je dois déjà aller travailler. aller travailler pour pouvoir résoudre mes problèmes financiers. Voilà, ça, je t'avais déjà dit, je dois aller travailler. Est-ce que vous entendez même ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a souvent les problèmes de réseau. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Donc voilà qui avoue qui travaille à l'étranger, non? Donc voilà qui avoue qui travaille à l'étranger, non? Mais la France ne sait pas qui travaille en Côte d'Ivoire, qui gagne soi-disant pas loin de 2000 euros le mois. Maman, tu gagnes pas loin de 2000 euros le mois et tu es toujours sec, sec, sec comme le ver de terre. Et tu es. Tu Vous voyez, ce qui est plus important pour moi, pour résoudre mes problèmes financiers. Donc tout ce qui est polémique pour le moment là, j'ai pas envie de rentrer dans la polémique. Voilà, ça c'est clair.
Et pas plus tard que cette semaine. Voilà. Voilà là où un homme d'affaires de son état, 46 ans, 47 le 18 mai là, qui arrive, 2024, hein, homme d'affaires de ses noyaux, qui vivait dans un HLM. Vous savez que les HLM ici en France, ce sont des maisons vraiment à petit prix, quoi. C'est pour l'État, hein. Homme d'affaires qui a 5 filles de mères, de 4 mères différentes, soi-disant. Oh, 5 filles qu'il a choisies, hein, parce qu'il y en a plein dehors. Il a d'autres enfants qu'il n'a pas connus, qu'il ne veut même pas connaître dehors. Oui. Parce que le gars, quand il mougou, lui, il ne se protège pas. Lui, mougou comme ça, là, il se protège pas. Il ne sait pas ce qu'on appelle préservatif. Il ne connaît pas ça. Oui. Comment on peut dire? Le bras gauche des ministres ivoiriens. Le bras gauche des ambassadeurs ivoiriens. Le bras, et ça n'en finit pas. Parce que quand le gars vous fait la talakou de sa vie, écoutons alors ici, là. Voilà les conséquences. Écoutez, hein, parce que moi, ma maison est sale, mais je suis quand même dans un 110 mètres carrés. Et je suis toujours là. Ceux qui me connaissent depuis là, je suis toujours nampiang dedans. Nampiang. Oui. Moi, au moins, je suis dans une maison. Et c'est privé, s'il vous plaît. Je ne suis pas HLM. Je ne me moque pas des gens qui sont dans les HLM. Je parle de mon dossier. Je parle de mon dossier. Écoutez, hein. Ça, c'est pas petit rat que vous voyez devant vous, hein, c'est gros rat. C'est homme d'affaires, homme des stars ivoiriens. Écoutons, écoutons, écoutons la partie que moi j'aime sur le voice, ceci, voilà ça. Ouais. Pas plus tard que cette semaine, j'ai reçu un courrier de résiliation de bail. Voilà, j'ai reçu un courrier de résiliation de bail. Et je dois, après la trêve hivernale là, je dois déménager. Voilà, parce que. Le goût de ça. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le français des Ivoiriens, je vais vous expliquer. Étant à Paris, sachant que quand il est parti de chez moi, il est passé par la fenêtre. OK? Ça encore, les vols se sont gardés où? Il est passé par la fenêtre. Il oublie qu'il y avait la caméra. Moi, j'ai ma caméra. J'ai la caméra chez moi. Il est passé par la fenêtre. Il allait faire 5 ou 6 heures dehors dans le froid, incapable d'aller payer une chambre d'hôtel. Continuez toujours à vous inventer des vies que vous êtes, vous êtes, vous êtes. Et après, quand il est parti à la gare le matin, déjà, un, il n'a pas payé le bus, parce que lui, il est tellement arrogant. C'est-à-dire, la terre, c'est son père qui a créé la terre. Dieu n'existe pas. C'est son père. Le pauvre monsieur qui vit dans les maisons en calbote là-bas en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a créé la terre. Il a pris le bus dans ma ville, il n'a pas payé. Il a pris le train pour aller se cacher à Paris. Il n'a pas payé le train. Il n'a pas payé le train, donc vous le voyez là. Il a plein de. Vous appelez ça comment là? D'amende, c'est ça non? Il a plein d'amendes comme ça là. Comme ça. Et il s'en fout. Il dit qu'il ne va pas payer. Il s'en fout. Il dit qu'il ne va pas payer. Donc quand il allait se cacher à Paris, sa fille, l'une de ses filles, est allée voir la maison parce qu'il avait sous-loué sa maison à quelqu'un là-bas. Donc, elle allait voir les courriers. Et l'État l'a envoyé le courrier que tu vas sauf que dehors. Tu vas. Hein? C'est quoi le son qui chauffe maintenant en ce moment en Côte d'Ivoire? Ou c'est tu vas partir? Non, c'est pas ivoirien, c'est français. Il sort. Il ne sait pas si c'est il sort, ou il va partir, c'est pas, il y a un truc qui chauffe comme ça dans un TikTok là. Oui. Soit disant main gauche ou testicule gauche des ministres ivoiriens, des stars. Moi-même là, je vois laisser quelqu'un dessus ma parole. Pardon, c'est férié, les pompiers ne travaillent pas aujourd'hui. Pardon, faut que je me calme. Ministre de mes couilles.
Le jour que moi-même, là, le jour que votre diva va seulement faire le ménage chez un ministre, là, mon frère, je vais déménager d'ici là, je vais prendre le villa. Ouais, essayez. Ah non. Non. Excusez-moi, pardon. Attendez, je récupère mes esprits. C'est que vous n'étiez pas avec moi quand le gars m'a lavé le cerveau. Aïe, donc j'ai un chaud comme ça, mon frère. Ouais, Seigneur. Non. Donc, moi j'aimerais savoir quelqu'un qui fréquente les ministres, les chefs d'État, les vrais, qu'on appelle ça, les boucantiers de Côte d'Ivoire. Il se filme, il s'est même filmé avec mon Iseka. C'est que moi, je vous dis là, c'est vrai. Vous croyez que je rigole pour rigoler là. Hein? Il se filme avec mon Iseka. Il se filme avec le mari de Josie. En tout cas, vous voyez la chanteuse ivoirienne là, le footballeur là, qui a les lorces là. Il se filme, maman, ce sont les filmages que tu veux voir. Alors qu'en France, les loyers ne sont pas payés. Même SFR, je vous jure. Son opérateur téléphonique, depuis qu'il sortait avec moi, c'est moi qui payais son opérateur téléphonique. Et soyez tranquille, c'était combien? C'est 35 euros pour les deux téléphones qu'il avait, plus le fixe. Incapable de payer 35 euros. Et l'imbécile vient avec ses noyaux, dit qu'il ne me doit pas mon argent. Je ne parle même pas des factures que je t'ai aidé à payer. Je te parle du prêt que tu me dois. On écoute. Voilà, j'ai reçu un courrier de résiliation de paille. Je dois, après la trêve hivernale, là, je dois déménager. Voilà, parce que mon contrat a été résilié avec mon bailleur. D'accord? J'ai trop de problèmes à gérer en ce moment. Donc, le plus important pour moi actuellement. Ce n'est que le début. Tu vois, tu as perdu ton appartement. Je n'étais pas encore en colère contre toi. Oh. Je t'avais pas encore maudit, je t'ai même pas encore maudit. Imagine-toi alors si je te maudis là. Toi-même, regarde ce qui t'arrive dans ta vie. Pour quelqu'un qui fait du bien autour de lui, toi-même, regarde ce qui t'arrive. Ou alors, je ne suis pas la seule qui te veut du mal. Quand je dis veut du mal là, c'est quoi même? Je dis que moi, je vais te maudire, c'est un mal. Maudit quelqu'un, c'est un mal, j'assume. Peut-être qu'on m'a déjà même dévancé. Est-ce que c'est ça que tu dois 20 000 euros, papa? On t'a mis dehors. Oh, swan. On t'a mis dehors. Ouais. Quand tu vas revenir en France, je ne veux pas voir tes brindilles chez moi ici, là. Heureusement que j'ai mis fin à la relation. Imaginez-vous si je n'avais pas mis fin à la relation, Seigneur Jésus. Il est venu squatter ma maison sale que vous connaissez là. Parce que moi là, depuis là, je n'ai pas fait la propriété. Ma maison sale que vous connaissez là, il devait venir squatter. Hé, hey, Dieu fait les choses. Oh. Hé! Hey. Non, qui t'a même fait ça? Non, la fille, la femme là s'appelle comment? La femme qui a fait en sorte qu'on te vide. Ouais. Sans compter ce qui t'a lancé une maladie que tous les temps c'est cocha cocha cocha. Cocha cocha cocha. Cocha cocha. Parce que c'est quand j'ai de cocha 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 que un médecin français n'arrive pas à soigner le cocha 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 là. C'est quand j'ai de cocha cocha que un médecin français n'arrive pas à soigner. Pardon, dites-moi, nous tous ici là on a les tous ici là non? Nous tous ici là on tous surtout l'hiver. Tu n'as même pas besoin d'aller chez le médecin. Tu prends le gingembre, tu prends ou peut-être clou de girofle, tu prends le citron, tu bois et ça passe. Mais lui là, il va voir le médecin, mais il a toujours cocher, 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 cocher. Voilà. C'est de rentrer, aller travailler. Voilà. Rentrer au bled. Qui meurt même avec on a de l'argent pour zéro pitié. Régler mes problèmes financiers. Ça, c'est le plus important pour moi. D'accord? Donc, moi,
obligé, j'allais t'appeler pour qu'on parle. Ça, c'est obligé. Voilà. Donc, pour te dire que pour le moment, j'ai vraiment pas envie de discuter, ni de me prendre la tête, ni de polémiquer. J'ai vu tous tes messages que tu m'envoies là. J'ai tout vu. Voilà. J'ai pas envie de répondre à ça pour le moment parce que déjà, je suis pas bien. Il y a trop de problèmes et puis je vais venir polémiquer, ça, je sais pas. Tu as trop de problèmes. D'ailleurs, tu n'es pas bien. Ça, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur. Et que tu as trop de problèmes, ce n'est que le début parce que je vais rajouter ma part. Oui, à chacun sa dose. Les autres qui m'ont déjà devancé là, tant mieux pour elles. Bon, on est. Attends. J'étais où là, si vous. Oui, on était déjà. J'étais chez lui à Rennes. Il avait des maîtresses. Maman, le gars ne pète pas, il ne chie pas. Il disait toujours que oh, lui, quand il est en couple, c'est lui qui bat les femmes. Une fois, je lui dis que, ah, donc tu es mon jumeau alors. Il me dit, comment c'est que ben, moi, quand je suis en couple, c'est moi qui bats l'homme. Moi, l'homme ne me bat pas. Je n'ai pas honte de dire qu'un homme m'a déjà barré. Je vous ai toujours dit ça ici, là, pour ceux qui me suivent depuis. Que le seul homme qui m'a barré depuis mon âge aussi, c'est le jeune Français qui vivait aussi en Bretagne. Maman, je suis seulement attirée par les Bretons. Hein. Bretagne, c'est une ville côtière en France. Là où il y a la mer et tout cela. Hein? C'est le seul Français, un jeune Dominique, très beaux yeux bleus, vraiment très. Merde, je ne sais pas, la beauté de ça. Moi, j'étais encore Djouxa, à l'époque, là, j'étais encore, j'avais une vingtaine d'années. Et quand même, il m'avait barré, je suis allée travailler, là, ça m'a changé les clés quand on dormait. Il a changé les clés parce qu'il était incapable de me dire que c'est fini entre toi et moi. Parce qu'il aimait faire les mauvaises choses dans le mougouli et moi, je ne connaissais pas faire ces choses-là. Donc, il était très même. Maman, l'avancement même de ça, ça me dépasse même de parler. Donc, c'est le seul Dominique qui m'avait barré. C'est le seul. C'est le seul qui m'avait barré, Dominique. Moi, je n'ai pas honte de dire. Le reste, la personne me barre. C'est moi qui barre. Aura, c'est moi qui barre. Tu manges mon argent ou pas, tu es barré. Valérie, ma chérie, coucou, comment tu vas? Il a une pulmonie. Hein? Ça, c'est son problème là-bas. Ça, même, c'est petit, ça. Si ça peut même s'aggraver 4 600 fois. C'est l'argent qui me doit. Donc, tous les problèmes que tu as actuellement, parce que je sais que tu as tes problèmes, que ça se multiplie 4 600 fois. Oui. Ça, c'est ce que je te souhaite. Et quand je vais te maudire, je vais dire au fond de moi que ça doit se multiplier 4 600 fois. Tu vas me remettre mon argent. L'imbécile est. Hey, j'ai oublié de vous dire que c'est aussi une star. Hein. Attention. Attention, l'imbécile, c'est une star. Il chante. Et vous allez bien écouter ses paroles. Ah ouais. L'imbécile, c'est une star. L'imbécile chante. Et quand tu chantes là, c'est sa vie qui raconte. C'est son lui qui raconte dans son son. Écoutez, hein. Donc je vous prie, s'il vous plaît, d'abord de tapoter. Même comme je ne vois rien du tout, à part vos messages, tapotez, partagez s'il vous plaît, abonnez-vous massivement parce que c'est ici que moi je dépose mes valises de l'arnaque que j'étais victime. Et d'autres lives aussi que je ferai. Voilà, pour que cette page puisse aussi être connue. Partagez dans les groupes Kongossa, partagez partout. Oui, partagez partout. Donc, si on m'entend, mettez en bas que oui, on t'entend, s'il vous plaît. Si on m'entend, mettez en commentaire qu'on m'entend pour que je continue. Parce que tout à l'heure, il y a eu un petit bug, je ne sais pas si on m'entend toujours. Si on m'entend, dites oui qu'on m'entend, s'il vous plaît. Aïe, wouh. Maman, le piercing que j'ai mis fait au cou, c'est en train de démanger, ça me fait gratter le cou là. Oh, maman, et le nyanga, et qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé, oh, maman, le nyanga? Donc, percer les oreilles, moi, je viens percer mon cou. Moi-même, là, il y a de ce dégagement. Est-ce qu'on m'entend? Aïe. Ou alors, c'est vraiment bégué, bégué, bégué. Comment je peux savoir si. Ah, putain, je ne sais même pas comment je peux faire.
Je sais pas si ça a bugué. On m'entend ou pas? Si vous m'entendez, mettez en commentaire oui, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas si j'ai bugué ou pas. Et j'ai. Attendez, je vais voir, je vais faire un truc. Qui est là que je. Est-ce qu'on m'entend? C'est bizarre. Attendez, je vais tester un truc, hein, mais. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est quoi? Vous êtes aussi lépreux comme lui. Écrivez-moi. Écrivez-moi. Hi. Bon, en tout cas, moi je ne sais pas si j'ai bugué ou pas. Hein. Heureusement que ma Virginie, là, vous êtes là. Ah, donc il fallait d'abord qu'elle passe au concours. Aïe. Hey. Bon, donc, partagez s'il vous plaît. Abonnez-vous surtout. Et je vais vous faire écouter le soi-disant son de ce rat palmiste. Et écoutez juste les paroles. Ne vous enjaillez pas avec le son. Ce sont les paroles qui sont importantes. C'est tout à fait son histoire. C'est tout à fait son CV. C'est tout à fait sa vie réelle qu'il a lui-même mentionnée dans son soi-disant clip de merde. On écoute. Pardon, excusez-moi, hein. Prenez aussi les deux libres. Pardon, excusez-moi, prenez aussi les deux libres parce que moi-même là, le son se me fait mal à la tête. Donc, prenez les deux libres au cas où. On continue. Ah, c'est devenu brouteur, arnaqueur, escroc ou sorcier. Écoutez bien les paroles. Hein. Ah, mythomane. C'est lui qui chante. Ah, vous allez me dire que mon frère, c'est qu'il y a des chansons. Ça. Écoutez seulement, c'est tout le monde qui se lève un matin. Ils sont tous artistes ici dehors. C'est lui qui chante. Que tellement lui-même il a déclaré. Qui il était réellement que ça l'a laissé. Écoutez bien. Moi, c'est la partie de la fin là qui m'intéresse. Il dit exactement qui il est. Brouteur, arnaqueur, escroc et tout ce qui suit. Ton son dit tout. Ton soi-disant son de merde.
On qui te connaît même en tant que musicien, tu as même fait combien de shows? Zéro show. Zéro show à pas donner ton zout. Quand on te mougou sans vaseline par derrière, c'est tout ce que tu sais faire. C'est tout ce que tu sais faire, vu que toi-même tu me donnais des bouteilles pour te défoncer au derrière. C'est tout ce que tu sais faire. Mougou même, tu ne mougou même pas. Hein? T'occupais même de la fille avec qui tu sors, de la femme avec qui tu sors, incapable. J'ai plus de. Tu sais combien de voix? C'est moi, argent, 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 argent que tu demandes. Argent, 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 argent que tu demandes. Argent, 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 argent que tu demandes. Tu n'as pas honte? Les voix que j'ai fait écouter à la police, comme quoi tu dis que moi je suis une mauvaise mère, on m'a arraché mes enfants. Ben, ça c'est même plus les choses qu'il faut raconter parce que tout le monde le sait, vu que ce sont les mêmes injures que je reçois, donc personne, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, au moins, on m'a arraché mes enfants. Mais tu peux venir expliquer donc à mes fans comment ça se fait que je suis souvent avec mes enfants. Il faut un peu expliquer cette histoire. Je ne sais pas. C'est parce que moi, je ne veux plus publier mes enfants sur les réseaux sociaux. Moi, je ne veux plus publier mes enfants sur les réseaux sociaux. C'est que je te montre, je fais le live, comment je suis avec eux. Et je n'ai même pas besoin de me justifier déjà de ce côté-là. Toi, tu as combien d'enfants? Les 5 enfants que tu m'as envoyé, les photos différentes là. Tu as déjà fait quoi pour un seul de ces enfants-là? Tu as déjà fait quoi de bien positif, vraiment un père. Un père, le rôle d'un père. Toutes les femmes avec qui tu as fait des enfants, aucune ne veut que tu vois les enfants. Je dis aucune. Des enfants même que tu peux peut-être avoir 2 fois par an au téléphone, ce sont celles qui sont majeures. Ce sont celles qui sont majeures. Tu n'as jamais les messages des plus petits que papa, tu nous manques. Papa, on t'aime. Papa, je t'aime. Rien. Rien de tout ça. Donc, avant de venir m'insulter, balaie d'abord devant ta porte. Tu dis comment mon anus, il y a une chair qui pend. Ok. Ok. Je vais demander à mon chéri parce que c'est lui qui voit mon anus là. Sans bien sûr aller là où c'est interdit, bien sûr. Hein. Je vais lui demander s'il voit la chair. Je vais lui demander s'il voit la chair. Ou alors tu confonds avec ta patte d'anus qui est comme tes lèvres. Qui sont placés, là, on dirait le mont Cameroun qu'on est seulement venu poser sur ton visage là. Je n'ai jamais vu un homme qui a autant de abîme, merde. Les lèvres du gars sont comme les noyaux du porc. Les lèvres sont là comme les noyaux du porc. Regarde ta bouche. Regarde ta bouche. Quand tu faisais même ta musique là, la galère se lisait bien sur toi. Hein. La galère se lisait bien sur ton bien, maman. D'habitude, les stars là brillent. Tu vois, comme la star, il est là avec les vraies bouteilles de champagne. Toi, vraiment, et gongole. Donc, mais luxueuse, quand je suis allée à Rennes chez cet individu-ci, préparé, même, il ne s'est même pas préparé. Juste fait frire le poisson et les plantains mûrs. Maman, je me suis retrouvée en train de manger les crues tramées. Quand je lui ai dit que non, demain là, moi on part au restaurant bêta. Je ne suis pas là dans les manchettes cramées. Le petit ivoirien avec qui je sors actuellement, il te fait à manger, c'est comme si c'était une femme qui a cuisiné. Comme moi-même, quand je passe en cuisine, j'ai même peur de faire une bêtise. Tellement je suis stressée, j'ai dit que non. Comme le gars s'est si préparé là, il faut que je sois au même niveau que lui, soit au moins je dois le dépasser. Un petit de 30 ans te fait à manger. Quelqu'un qui a passé presque toute sa vie ici en Europe, il te fait manger comme s'il a passé toute sa vie en Afrique. Mais un vieux rat de son espèce a pas volé, escroqué les femmes, pigeonné les femmes, arnaqué les femmes. Voilà tous ses points forts là-bas. Voilà tous ses points forts là-bas. Il a maintenant un nouveau système. Quand il prend ses proies, il ne prend plus à Rennes. Parce qu'il est déjà rodé, rusé à Rennes.
Il prend les filles qui viennent de loin comme moi, comme ça, là. Il prend. Et je me rappelle bien, il m'interdisait d'être en contact avec un membre de son entourage, que ce soit dans sa famille, que ce soit ses amis. Il ne veut pas que je sois en contact avec ces gens-là. Je comprends aujourd'hui pourquoi. Je comprends aujourd'hui pourquoi. Je vous fais écouter un voice, un seul voice, parce que si je donne tout aujourd'hui, ce n'est pas bon. Je vais vous faire écouter un seul voice d'un monsieur qui vit à Paris. Et ce monsieur est le copain de la maîtresse du rat que vous voyez en profil ici. Je vous explique. Ce rat, je ne sais pas là où il a connu la fille, elle est métisse. Mais le genre de métisse, abbé là, vous voyez un peu le genre là, non? Parce qu'il y a métisse et métisse ici dehors. Hein? Donc ils ont eu une relation alors que la nana était en couple. Ils sont tous les trois les Ivoiriens. Avant que, malheureusement, ça tombe sur moi, il sortait avec la fille. Il bouffait la jambe que le gars de la fille donnait à la fille. Parce que la fille vit chez le gars à Paris. J'ai dit bien ceci. Écoutez bien ce que je viens de dire. Le brouteur qui est en photo ici, là. Bon, c'est son nom, c'est Oulaye Tofi, le brouteur que vous voyez en lunettes ici, là. Il sortait avec une fille métisse qui est, parce que qui n'était pas, non, elle s'est toujours présente, qui est en couple avec un Ivoirien. Voilà. Qui lave les avions, je ne sais pas où, là-bas, à Paris, là-bas, où il lave les avions, où il fait les moteurs, moi, je ne sais pas. Ça, c'était avant ma rencontre. Ce qui se passe, c'est quoi? Il lave, dans le brouteur, s'il lave le cerveau de la fille, à chaque fois que son gars lui donne l'argent, blim, elle envoie ça à Rennes. Blim, elle envoie ça à Rennes. Blim, elle envoie ça à Rennes. Un jour alors, il y a un monsieur à Rennes qui propose au brouteur, ou alors c'est le brouteur qui propose à ses amis, il tombe sur, malheureusement, une proie. Il s'arrange donc les deux d'être associés du restaurant d'un blanc à Rennes, qui veut dire quoi? Le blanc, lui, a son restaurant, il ne fait que les services de midi. Donc le brouteur qui est en photo ici, avec un autre monsieur de Rennes, s'associe pour donner 2000 euros par mois, soi-disant. Parce que moi, tout ce que le brouteur se raconte maintenant, c'est que des mensonges. Mais moi, je vous dis ce qu'il m'avait raconté. Comme ça, le soir, le restaurant du monsieur, il transforme ça en maquis. Maquis, c'est quoi? Ce sont des bars africains, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Parce que quand j'ai connu le brouteur, c'est à Almas, il me disait que oui, il doit bientôt rentrer parce que son associé lui met déjà la pression pour cuisiner, parce que c'est, voilà, son associé ne sait pas cuisiner, c'est lui qui fait tout, l'associé ne sait pas préparer à tiquer, machin, alors que celui-ci même ne sait même pas cuisiner. Voilà d'où encore le mensonge. Donc, la fille métisse alors venait tirer ses coups avec le brouteur. Elle a amené l'argent de son chéri pour manger avec le brouteur. Un jour, à ce que moi j'ai appris, oh, le chéri de la métisse donne une voiture qu'on appelle la Range Rover. Une vieille voiture noire, la Range Rover. Il donne à sa copine d'aller donc à Rennes. Elle fait un aller-venu, tout va bien. Elle fait encore un tour, elle va encore binde avec le brouteur. Le mari à la maison, vraiment les femmes. Le mari à la maison, lui, il sait que sa copine allait voir un ami pour l'aider à travailler dans son restaurant. Alors que la fille passait tout son temps dans la chambre du brouteur. Oui. Déjà, elle partait, elle était cliente dans la chambre du brouteur. Elle était aussi en même temps cliente au restaurant, soi-disant, le fameux restaurant du brouteur. Quand elle repart encore en voiture à Rennes avec la voiture de son gars, dans la Range Rover noire, elle appelle son gars. Oh, j'ai fait l'accident. Écoutez le mensonge. Son gars dit que, mais c'est comment? Sûrement, il a eu peur que, mais est-ce qu'elle va bien? Machin, machin. Elle dit que non, ça va. Maintenant, elle fait passer ce brouteur qui est en lunettes ici comme le responsable de l'accident, alors que c'est son amant. Est-ce que vous écoutez bien? Comme aussi celui qui est à Paris, il est aussi Mbuchuku Fouana. Il a emballé le mensonge.
Sa copine passe donc son amant aux les femmes. Hey. Sa copine passe même maintenant. Donc la copine du gars passe son amant, le brouteur, au téléphone. Voilà le brouteur qui dit, oui, vraiment, j'ai fait l'accident avec votre femme. Vraiment, je vous envoie les documents. Ils font donc des faux dossiers, des faux documents. Ils donnent au gars qui apparaît. Le gars lui voit seulement du feu. Il sait que la voiture est irrécupérable. Normalement, si tu sais que ta voiture a fait l'accident, tu demandes qu'on te montre les preuves de la voiture qui a accidenté et on transfère la voiture dans ta ville. Normalement, c'est comme ça. Mais bon, cela ne me regarde pas. Moi, voici alors qui vient avec mes petits pieds. Kwacha, 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 kwacha. Que je suis tombé sur un poids lourd, alors que c'est un poids lourd d'arnaque. D'arnaque. Il me manque que la Range Rover est à lui. Que son ex même, il avait acheté une petite voiture à son ex, à la Camerounaise que je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était très belle. Oui, qu'il a acheté la voiture à la Camerounaise. Il compte même aller à Paris récupérer la voiture parce qu'il a quand il s'est séparé de la Camerounaise, il a récupéré la voiture, il a laissé chez son frère à Paris, il doit même récupérer cette voiture parce qu'il faut que lui et moi on vende la Range Rover en question, que j'avais même sorti 140 euros pour payer le moteur de la soi-disant voiture de Range Rover, sans savoir que Range Rover là, c'est la voiture du gars de sa maîtresse au brouteur. Voici un des messages. Voyez ce que j'ai fait avec le gars. Parce que, au final, une tierce personne nous a mis en contact avec le malchanceux. Je vous fais seulement écouter un seul voice. Étape par étape. On ne va pas tout balancer aujourd'hui. Écoutons le mari de la maîtresse du brouteur. J'ai acheté le Range Rover, j'ai roulé 3 jours, j'ai donné à... J'ai acheté le Range Rover, j'ai roulé 3 jours, j'ai donné à Kelly. Kelly est partie pendant 2 week-ends avec le Range Rover. Et le troisième week-end, elle est partie, elle n'est pas revenue. Elle m'a fait savoir qu'elle a fait un accident. Et le Range Rover, elle m'a montré des papiers qu'elle a signé le constat avec la personne. Tout et tout. Et il y a un noir qui m'a appelé pour me dire c'est par rapport au constat du Range Rover et que le niveau des séries. Donc, ça veut dire que j'ai été arnaqué, ils ont joué avec Ah, moi. ben Oui. oui. Ben oui, parce que je pense que Alors. le black qui a dû vous appeler, c'est Théophile. Oui, moi, parce que moi, j'ai acheté le véhicule, j'ai acheté Vous le. voyez là, je suis tombée, non? Heureusement que j'ai enregistré la conversation avec le monsieur-ci. Parce que après, le gars a voulu se séparer de sa métisse. Il a tout balancé, qu'il parlait avec moi. Et sa copine a appelé le gigolo qu'on appelle le gringalet que vous voyez en photo aussi. Heureusement que j'ai enregistré la conversation. Heureusement, et demande que le monsieur c'est vraiment bête. Comment on te donne les papiers que la voiture a fait l'accident, on ne te ramène pas la voiture à Paris. Ça, je ne comprends pas. Ou alors tu ne prends pas le train pour aller à Rennes. Parce que Rennes-Paris, c'est pas loin et c'est pas cher. Même avec 18 euros, tu pars à Paris. Et tu pars à Rennes. En plus, il a aussi une voiture, donc je ne comprends pas. Quand je vous dis qu'il y a des gens ici dehors qui se baladent avec les gris-gris, vous croyez que je mens. Et j'insiste dessus. Cet individu que vous voyez en photo avec les lunettes là, c'est un bon brouteur, un voleur, un escroc. Et il pratique. Parce qu'on peut dire que moi, peut-être que c'est l'amour qui a fait que, ok, j'accepte. Mais le monsieur, si. Est-ce qu'il était amoureux du monsieur-ci? Question. Mais en entendre parler le monsieur, il ne connaissait pas ce Théophile. Donc, si ce ne sont pas les pratiques, si ce n'est pas la bague qu'il a au doigt là, qu'il n'enlève jamais. Qu'il n'enlève jamais. On écoute. Le véhicule à 28 000 euros. Ouais. Et On donc, recommence, pourquoi? Parce j'ai que. acheté le Range Rover, j'ai roulé 3 jours. J'ai donné à Kelly. Kelly est partie pendant 2 week-ends avec le Range Rover. Et le troisième week-end, elle est partie, elle n'est pas revenue. Elle m'a fait savoir qu'elle a fait un accident. Et le Range Rover, elle m'a montré des papiers qu'elle a signé le constat avec la personne. Tout et tout. Et il y a On un tapote, noir s'il qui vous m'a plaît. On appelé tapote et pour on me dire s'abonne, on que c'est par partage. rapport au Merci. constat du Range Rover et que le niveau des séries.
Donc, ça veut dire que j'ai été arnaqué, ils ont joué avec ah, moi. Ah, ben oui. Ben oui, parce que je pense que le black qui a dû vous appeler, c'est Théophile. Oui, moi, parce que moi, j'ai acheté le véhicule à 28 000 euros. Ouais, et donc, oh. Ils ont joué avec moi. Bon, bref, c'est pas grave. Moi, je suis un homme. Ouais. Madame, oui, mais c'est pas bien parce que vous avez l'air d'être un monsieur sympa. Parce que moi, je pleure mes 5 000 euros. Vous avez quand même perdu plus de 28 000 euros, je ne sais pas combien. Ça ne se fait pas. Mais c'est pas seulement ce que ça. Moi, je viens de payer son billet d'avion aller-retour pour aller à Abidjan. Il n'est pas à Abidjan, aller s'amouracher avec un idiot. Oui, moi, je travaille. Avec s'amouracher avec cet idiot. Idiot, le mec, c'est petit. S'amouracher avec les noyaux du. S'amouracher avec les noyaux du porc. Ouais. Adama, non, le gars, c'est fort. Vous comprenez, non? Le gigolo, c'est fort. Écoutez, hein. Et nos. 1, 2, 3, 4. Je pense que j'ai fait 4 voices avec lui. Et nos voices que j'ai faites là, il n'y a pas eu un manque de respect entre le monsieur et moi. Bizarrement, il contacte sa chose qui était on appelle ça comment, en Côte d'Ivoire là-bas. Elle contacte son amant. Son amant leur dit de me dire qu'ils vont me porter plainte. Moi, j'attends toujours la plainte. Hein. Parce que je ne vois pas là où le monsieur et moi, quand nous avons échangé, là où il y a eu un manque de respect. Il ne m'a pas manqué de respect. Je ne l'ai pas manqué de respect. Mais quand il s'est mis en contact avec sa soi-disant copine ou fiancée, je ne sais pas quoi, il me revient, il commence à me manquer de respect, qu'il va me porter plainte. Depuis là, j'attends toujours la plainte. Et comme je dis, Dieu merci, j'ai enregistré nos conversations. Et ce sont les conversations là que je vais aller montrer à la police, que vous même écoutez, où et à quel moment j'ai manqué de respect. La femme, oui, c'est une grosse pute. Et je répète, c'est une grosse pute. Point barre. Je ne veux pas changer d'avis. Parce que tu ne peux pas être en couple. Et en même temps, ta chatte, voilà, ta chatte bande pour un idiot qui est en couple aussi. Non, je suis désolée. Je ne vois pas une femme qui est en couple qui peut accepter que son mec ou son, je ne sais pas, lui trompe et elle accepte ça. Chez moi, ça ne passe pas. Et si j'ai arrêté la relation avec ce gigolo, déjà, un, c'était par rapport à mon. À chaque fois, il fallait que je donne l'argent. À chaque fois, il fallait que je donne l'argent. J'étais à découvert tous les secondes que Dieu a créées. Déjà, c'est ça. J'attendais une seule bêtise de sa part. Même si c'était simple bêtise pour mettre fin à la relation. Et pour rajouter la cerise sur le gâteau, c'était son infidélité. Parce que toi qui apparaît là, tu n'es pas sa seule maîtresse. Vous êtes versé comme ça là. En même temps, vous êtes ses maîtresses. En même temps, vous êtes ses comptes bancaires, ses cartes bancaires. Il s'accroche là où il mange son argent. Là où il suce l'argent des autres, c'est là-bas qu'il s'accroche. On écoute. Ah ben, madame, je suis ingénieur à Air France. J'ai pas le temps de tous ces péripéties-là. Donc, moi, je comprends pas. Elle j'ai donné tout à cette femme. Elle est partie à Abidjan. Elle est partie en vacances. Et j'ai payé son hôtel. J'ai payé son hôtel tous les jours à Abidjan. J'ai son agent de poche. Et tout, oui, c'est pas gentil de sa part. Moi, je comprends pas qu'il est. Comment est-ce que tu veux que j'aie. Ouais. Voilà votre beau qui m'appelle. Je vais l'appeler ici, là. Attendez. Si je raccroche là, ça sera encore nos copains là maintenant. Ouais. Tu appelles, ça sonne deux fois. La personne ne décroche pas. N'est-ce pas, raccroche, papa? Ah. Yi? 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 Ouais, attends, mon professeur. Attendez. J'appelle là-haut mon gars, pardon, parce que pour le moment, c'est mon sucre. Lui, au moins, il ne mange pas mon argent. Attendez, je vais appeler mon sucre. Oui, malheureusement pour vous, c'est un Ivoirien. Voilà, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les Ivoiriens qui sont pareils. Oui, Chou. C'est quoi? Il y a quoi?
Attends, t'es où là? Oui, tu fais quoi? Aïe, comment? Hein? Tu m'appelais, je n'ai pas décroché. Ok, oui. Mais je ne t'ai pas appelé une seconde après. Même pas 0 seconde après. Merci. Merci. Mais tu fais quoi? De quoi? J'étais sur mon live. Tu étais où? J'étais sur ton live. Oui, je suis sur Facebook, oui. Oui, je suis sur mon live sur Facebook, oui. Oui. Mais attends, tu m'appelles sur l'autre téléphone là où je suis déjà connectée, donc je ne peux pas décrocher, mais je t'appelais ici. Non. Tu n'es pas allé sur TikTok. Oui, c'est une question. Je te demande si tu n'es pas allé sur TikTok. Ben, je sais. Tu me demandes, quand tu passes avec tes petits pieds, tu me dis ce que tu peux faire. Chez moi, j'aime pas ça. Oui, on fait comme ça, ok? Je te rappelle dès que je finis. Ouais, bisous. Donc, voilà. Ça, c'est mon chéri. Voilà, parce qu'il paraît que le brouteur m'a largué. Et que quoi, que quoi? Après l'amour, c'est pas la guerre. Ouais, on peut larguer votre diva comme ça là. Ça fait mal largement forçat. Il y a quelque chose à dire, excusez-moi. Bon, on continue, nous qu'on jappape. Le petit c'est jaloux jusqu'à. Hey, maman. Petit c'est bien jaloux. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai donné. Et je l'ai donné mon compte Facebook, mais Dieu merci, il est parti sur mes anciens comptes Facebook. Dieu merci. Bon, on continue. Il est quelle heure là? Parce que je ne vais pas non plus trop tarder. Hein. 20h à 21h30, j'arrête. Et on continuera plus tard. OK? Vous revenez et toujours ici. Je signalerai à l'avance à quel moment je vais faire la suite. OK? Voilà. Merde, c'est parce que j'allais. La même léthargie que les autres. Que les autres hommes, c'est pas possible. Ben vraiment, avec ce que j'entends, c'est pas possible. Là, je suis la fille Charlotte quand elle m'a parlé. Elle m'a parlé, j'ai compris un peu, j'ai compris un peu le jeu. J'ai été abattu. Aujourd'hui, c'est une journée. J'ai l'impression que le ciel m'est tombé sur la tête, madame. Oh, c'est pas. Ben moi-même, je suis. Moi, au fait, tellement j'ai ouvert. J'ai. Comment peut dire? Tellement. C'est même pas quoi dire. Au fait, avec Théophile, je suis dépassée. Théophile, déjà, j'ai chopé. Il était en boîte à Abidjan. Ça, c'était avant de venir ici. Me voir. Il était en boîte à Abidjan avec une nana. Moi, je suis une femme. Je suis sérieux. Je n'étais jamais trompée. Tout ça, c'est dans ta tête, ma puce. L'angoisse, t'es lent 10 000 fois. Et l'angoisse, t'es lent 10 000 fois. Toi, t'es fille ou la riche. Et lent. Tout ça parce qu'on appelle l'élan, va demander en camerounais. Coucou, Elisa, ma chérie, comment tu vas? Et lent 10 000 fois. Et lent. Me bim lent. Chouin. Allez, on Je continue. ressens quand on me trompe. D'accord? Mais je ne pense pas que c'est avec Kelly. Je ne pense pas que c'est avec Kelly. Kelly, elle, c'est mon combat, mais ce n'était pas avec Kelly. Parce que le moment d'où il était en boîte avec la nana, il faisait les love avec la fille, ce n'était pas Kelly parce que Kelly, elle était encore en France. Voilà. Donc, je lui ai fait part de ça. Il est revenu avec un bracelet bidon.
Oui, c'est Un moi, bois, c'est Myriam. l'air Mais dis-moi maintenant, c'est toi, de 500 Madame francs. Oulahi, parce qu'il s'appelle Oulahi, c'est toi, Madame Oulahi. Tu parles de Nana, arrête, j'ai personne d'autre que toi. Après, c'est vrai, je me fais draguer par les femmes, mais moi, je bouffe seulement leur argent, ou alors je joue seulement le jeu. Mais c'est quel genre d'homme, ça? C'est quel genre d'homme qui est qu'avec les femmes pour. Au fait, ce sont les femmes qui dépensent. Moi, je vous dis, depuis 7 mois que j'étais avec lui, j'ai passé mon temps à dépenser pour lui, il n'avait jamais 1 euro. Jamais il avait l'argent. Bah, j'ai jamais vu ça. Ma chérie, Pardon. il dit à son patron qu'il me doit rien. Oh. Même encore aujourd'hui, vers les 14 heures, j'ai eu son patron. Son patron me dit que ils ont parlé ce matin et qu'il dit qu'il me doit rien du tout. Que c'est plutôt moi qui lui dois de l'argent. Mais Dieu merci que ce soit en Afrique ou en France ou je ne sais pas où, quand il y a des problèmes comme ça, on demande toujours les preuves, non? Mais Elsa, je te jure sur la tombe de mon bébé. Comme on dit, trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est maladie. La maladie qu'il a en lui, là. La maladie qu'il a en lui, j'ai dit la maladie qu'il a en lui. La maladie qu'il a en lui. Qui passe son temps avec cracha, 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 cracha. Comme quelqu'un qui a la tuberculose, là. Ça va se transformer. J'ai dit bien. Écoutez-moi bien. Moi, je n'ai pas besoin d'aller chez les marabouts. D'abord, même, je n'ai même pas de passeport. Donc, je n'ai pas besoin d'aller au Cameroun. Je ne connais même pas la route qui mène chez les marabouts. Parce que si je connaissais la route qui menait chez les marabouts, le son que devait l'envoyer ne devait pas avoir de nom. Ou ce que les Bassa lancent souvent là. Mais il a la chance que moi, je ne connais pas toutes ces choses-là. Mais je dis ceci. Si il sait qu'il ne me doit pas de l'argent, si il sait qu'il m'a jamais emprunté de l'argent, ok, qu'il vive sa vie. Mais par contre, si c'est l'inverse, c'est-à-dire si il me doit, la maladie qu'il a en lui, que je l'ai connue avec là, la maladie qu'il a en lui, que je l'ai connue avec, qui passe toujours son temps à tousser bizarrement là, comme quelqu'un qui a la tuberculose là, ça va se multiplier. 4 600 fois. C'est le nombre d'argent qu'il me doit. Ça va se multiplier 4 600 fois. Comme ton patron t'avait dit, pour ne pas dire que ton patron m'avait aussi dit, que quand une femme s'énerve, si elle te maudit, c'est fini. Toi, tu ne crois pas peut-être à ça. Parce que vous, les beaux ailleurs, là, vous, les parce que tu me manques que tu avais pris l'avion pour venir en France. Non. Quelqu'un qui prend l'avion pour venir en France ne se comporte pas comme ça. C'est la majorité, ce sont les beaux ailleurs, ceux qui sont passés par la mer. Comme tu te fais mougou par l'anus à partir du Maroc, Tunisie et tout ça avant de venir ici en France. Et tu as toujours cet esprit d'arnaquer les gens. Dors tranquille. Dors sur tes deux oreilles, tranquillou, tranquillou. D'accord? Dors sur tes deux oreilles. Mais moi, je te dis, j'ai eu 4 grossesses. 4 accouchements, un décès et mon premier fils que j'ai perdu. Je te jure, sur sa tombe, ne me remets pas mon argent. Ne me remets pas mon argent. Tu dis que ta mère est décédée, non? Ta mère avec qui tu as mougou là. Et c'est dans le mougou, comme tu es entré dans un cercle, tu fais mougou avec les parents, tu allais mougou ta mère. Ta mère est en pleine action. Madame Oulari, qui est couchée là-bas, dites à votre fils de remettre mon argent, parce qu'on dit que les morts ne sont pas morts. Dites à votre bandit, arnaqueur, brouteur, de fils Oulari Tofit, de me remettre mon argent. Qui me remet même mon bracelet or argent que j'ai acheté, qui me remet tout ce qui a été dépensé avec mon argent, qui me remet tout cela. Sinon, on ne va pas venir dire que je n'ai pas réclamé mon argent ici dehors. Je ne vais rien te faire de mal, mais j'ai dit, juste la colère que j'ai en moi, tu verras ce qui va t'arriver. D'accord? Juste la colère que j'ai en moi, quand je vais décider. Je ferme mes yeux. Je t'invoque. Ou vous croyez que deux fois pour invoquer les gens, il faut aller chez les marabouts ou machin. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Notre bouche là,
fait beaucoup de choses. Notre bouche là fait beaucoup de choses. Oui, ma chérie. Si vous êtes là, parce que aujourd'hui, il ne voit pas ses enfants pourquoi? Aucun de ses enfants ne l'aime pourquoi? Parce qu'il a, il faisait des attouchements sexuels à ses enfants. Pourquoi il n'a pas ses enfants? Pourquoi il ne voit pas ses enfants? Hein? Pourquoi il ne voit pas ses enfants aujourd'hui? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire qu'il passe caché? Un soi-disant père de famille. Il travaille même pension alimentaire versée aux enfants, mais il ne verse même pas. Même envoyant un bonbon aux enfants, il n'en voit même pas. Hein? Il n'en voit même pas. Mais il faut voir quand il te grague, les gros mots qui sortent de sa bouche. Il n'a même pas honte. Il sort pour aller boire un verre, ce sont les autres personnes qui payent. Il sort pour aller boire avec son patron, c'est le patron qui paye. Il sort pour aller boire avec ses copains de boulot, ce sont ses copains de boulot qui payent. Lui ne paye jamais rien. Il ne paye jamais rien. Je vais invoquer sur la tombe de ta mère. Tu m'avais envoyé deux tombeaux, non? Il y a une tombe avec le nom et tout. Si je vois que c'est ta mère, je vais invoquer ta mère. Tu as publié mes enfants, moi je vais publier ta mère. J'ai la photo de ta mère. Hein. N'est-ce pas? Tu as dit que tu étais FBI. Je suis FBI, 100%. Je vais invoquer sur la tombe de ta mère à distance. Ta mère et moi, nous allons parler. Tu vas me remettre mon argent. Si cette femme qui t'a mise au monde, cette femme qui t'a mise au monde le 18 mai 1977, si elle t'a aimé, si elle t'a poussé un jour que tu es sorti de son vagin, ne me remets pas mon argent. Ne me remets pas mon argent. Si elle t'a adopté, ça va. Si elle t'a adopté, ça va. Mais si elle ne t'a pas adopté, qu'elle t'a poussé, comme moi j'ai poussé. On dit souvent que faites ça à certaines personnes, mais sélectionnez vos proies. Sélectionnez vos proies. Un chien comme toi, un rat, un renton. Avec son con, on dirait les spaghettis que j'ai dans ma cuisine. Tu te permets de venir chez moi. Tu passes par la fenêtre avec des bagages de plus de 26 kilos. Mais quand on te voit avec ton patron, on croit que tu es quelqu'un. Même ton patron dit, ton patron m'a dit aujourd'hui qu'il ne savait même pas que tu étais comme ça. Ton patron, lui-même là, tu le tailles. Tu ne respectes personne. Avec tes shorties, sauter, 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 on croit que c'est quelqu'un. Tu m'as traité de sale. La prochaine fois que je vais faire le live, je vais faire le live, on va voir ma tête. Et quand on va voir ma tête, je vais montrer tes ongles que j'ai chez moi. Oui. Mademoisellette, je vais montrer tes ongles que j'ai chez moi parce que je t'avais coupé les ongles des pieds ou je ne sais pas quoi. Je vais te montrer les ongles, tes ongles, la couleur des ongles d'un diable incarné. Aucun homme n'a la couleur de ces doigts-là, je suis désolée. Ni même les formes de tes doigts. J'ai dit aucun, je n'ai jamais vu. À part les gorilles, oui. Oui, à part les gorilles. Et je vais montrer ton débardeur blanc qui est devenu kaki. Tout ça là, c'est dans un sac plastique. Tout ça là, c'est dans un sac plastique. Tu veux jouer, on va jouer. Comme moi, je suis sale. Mais on verra donc qui est sale. Moi aussi, je vais vous montrer un vêtement blanc de moi. On verra qui est sale. Lionne, ma chérie, laisse-le. Il va aussi venir vous dire qu'il ne m'a jamais vu nu, non? Moi, je vous ai dit, si sa mère, qui est dans la tombe, qui est devenue squelette là, je pense à ma mère. Je suis allée voir la tombe de ma mère. Je dis à ma mère, plus jamais je ne vais te voir. Quand toi tu vois là-bas qui, même les morts, même tu ne veux plus voir. Même les morts, les mbengis, quand ils vont en Afrique voir les tombes de leur papa, de leur maman, ils partent à chaque fois qu'ils partent, première de choses, comme les avions arrivent souvent la nuit là.
Le lendemain, l'enfant est là devant la tombe de son père, de sa mère. Mais toi, tu es un renton qui dit à ta mère que tu ne vas plus jamais venir la voir parce que ça te donne envie de suicide. La prochaine fois que tu vas voir, je vais te pousser au suicide même là. Je vais t'aider. Parce que la prochaine fois que tu vas encore chercher à te suicider, ne te crompe pas. J'ai dit, tu as publié mes enfants. La tombe de ta mère et ta mère elle-même serait publiée sur mes pages. Voilà. C'est comme ça. Tu as publié mes enfants dans les soum-soum. Moi, je ne suis pas dans les soum-soum avec toi. Moi, c'est là-là. Parce que je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. L'imbécile prend. Tu peux mettre des mignons. C'était enfant au monde comme les miens. Moi, mes enfants, tous les jours, maman, on t'aime. Maman, les câlins de ça. Les câlins de ça. Les câlins de ça. J'ai fait de très beaux enfants, mon gars. Et j'assume mes enfants mon niveau. Tu as compris? J'assume mes enfants mon niveau. Donc, quand tu ne connais pas la vie de quelqu'un, mets tes testicules par terre, tu poses des questions, on répond à tes questions. Où c'est un donc? Où c'est un donc? Moi, c'est ce qu'il veut. Donc là, où c'est Sadia? Il veut que moi je le fabrique. Je ne le fabrique pas. Je ne le fabrique pas. Son rêve, c'est que je vais m'asseoir sur Facebook, comme je suis connue, que je donne son nom Facebook et son nom TikTok. Je ne donne rien. Je ne donne rien. Que dalle. Il s'appelle Oulari Tofil. Voilà son nom là-bas. Oui, il a des faux profils, lui. Mais moi, je m'en fous de ces faux profils. Qu'il sache que moi, je l'ai largué. Je suis restée célibataire. Je l'ai largué en février, non? Voilà, je l'ai largué en février. Début février, je l'ai largué. Mi-mars, je me suis mis en couple. Voilà, mi-mars, je me suis mis en couple. Et je suis toujours en couple. Là-bas, on ne me manque pas de respect. Là-bas, on ne prend pas mon argent. J'ai fait un essai. Je suis allée à la boulangerie en Bretagne, là-bas, avec mon chéri, quand il venait me chercher. J'ai dit que bon, moi, j'ai faim. On devait aller à la poste, je devais déposer les espèces que j'avais sur moi. Après, on devait aller à la plage. Donc, je dis que bon, avant d'aller à la plage, j'ai vu une boulangerie que bon, moi je vais à la boulangerie. J'ai pris seulement deux crucs. Je prends maintenant mon portefeuille pour payer. Il dit non. Il sort son téléphone. Il met seulement, ça fait un bing. Il dit que Rwanda fout Karaba. Et avant même d'abord, même de mettre bing là. Parce qu'il y a là les téléphones qui payent les factures ici dehors. Moi, il savait moi. Vous savez que moi, je suis villageoise aussi, hein, par moment. Il ne sort pas la carte bancaire, il sort son téléphone. Je sais qu'il y a les. Bon, je fais semblant que je suis bête, mais je ne suis pas bête. Je sais très bien qu'on peut payer avec le téléphone. Et avant même de payer avec le téléphone, il me demande si j'ai encore besoin de quelque chose à la boulangerie. J'ai dit non. Bon, et ma lionne, ma chérie, il dit que c'est lui. Il dit que c'est lui qui m'a barré. Qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. Que grâce à lui. Vous êtes sur son Facebook, n'allez vous le graguer là-bas. Attendez, attendez, je cherche la partie là, attendez. J'ai même pas fini le Congo, ça c'est, attendez, là où il parle de ça, c'est ouf. Il y a une partie là où il parle de ça, je vous jure, attendez. Putain, j'ai tellement de voix ici, hein. Je vais arriver. Je vais arriver. Putain, attendez. Ce que j'allais dire, ma chérie, comment essaye de aussi. Je t'explique pour comment. C'est le truc de printemps. Ça, c'est quand il exécute mon Non, agent. mais vraiment, ça se voit. Bon, attendez, on fait d'abord écouter le voice de son neveu, le fils de sa sœur. Et après, maintenant, je cherche là où il m'insulte. Il dit que grâce à moi, je fais sa pub, que vous, mes fans, vous êtes allés vous abonner chez lui. D'autres, même, vous avez même pris l'avion. Quand je vais vous demander 1 € pour manger, là, vous allez me refuser 1 €. Mais vous prenez des avions pour aller le voir. Que certains d'entre vous sont rentrés en France.
C'était donc vous. Vous êtes rentré en France. Et que d'autres sont restés à Abidjan là-bas avec lui. Vous avez fait des boîtes de nuit, oh. Et là, 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 là. Et que maintenant, c'est même lui qui est à Paris actuellement. Il me manque qu'il est à Paris actuellement. Le même jour qu'il m'a dit qu'il était à Paris, la même seconde qu'il m'a insulté, la même seconde j'ai transféré à son patron et son patron m'a appelé. Son patron m'a dit que maintenant il n'est pas à Paris, il est ici à Abidjan avec moi. Donc tellement tu es mythomane. Tu mens. Tu mens pour vivre. Pourquoi? Tu fais la concurrence avec moi. Tu m'as largué, oui, j'assume. Ok, voilà, mes fans, il m'a largué. C'est fini, non? Maintenant, ils sont en couple. Où est le problème? Toi, tu n'es pas en couple. Voilà ça. Qui peut t'aimer? Voilà le son, voilà. Le message de son neveu, après avoir appris tout ce que son oncle m'a fait. T'es une belle personne et vraiment ça se voit, t'as un bon fond, t'as un bon cœur. Et honnêtement, voilà, moi j'apprécie, ça me touche aussi, hein, franchement, de voir que t'as une belle âme et tout. Et je trouve ça vraiment très cool. Tu vois, je trouve que c'est quelque chose de très positif, c'est une très grande valeur que tu as et vraiment que. Que tu demeures comme tu es et tout, change pas. Et puis vraiment, je souhaite que du bonheur à ton couple avec mon oncle. J'espère que les choses vont s'arranger. Et voilà, moi je suis là aussi si jamais. Il y a des choses que tu veux me parler, voilà, tu pourras me parler, il n'y a pas de problème. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans le couple avec mon oncle. Ça, c'est la malédiction que tu m'envoies. Elle n'a même pas écouté ça jusqu'à la fin, elle tellement était vénère. Tu souhaites bonheur de couple avec qui? Un chien, un rat que j'ai nourri. On dit, tu veux que le chien que tu nourris là, finit, tu ne veux pas te mordre. Attendez, je cherche là où il m'insulte là. Attendez. Hein. Le bar. Non, ça c'est quand? Comment on appelle ça? Non, ça c'est quand il m'est soqué Le encore. bourdon. Non. Et tu vas bien toi aussi. Non. Du coup, comment on l'appelle? Non. Si tu as pu, comment on Non, l'appelle? oh là là. Et tu essayes de aussi calculer. Non. Ça, c'est. Ça va venir, ça va venir. Je cherche là où il m'insulte. Ça, c'est quoi? Tu n'as fait erreur. Non. Un seul corps. Non. Vraiment, bonjour. Non. Oh là là, putain. Il est où ce message là où il est en train de me tailler, quoi? Mais il me taille le mec, quoi? Moi, si tu as pu aussi calculer, comment on appelle ça? Je viens de voir. Mais putain, il est où ce message de merde là? C'est pas possible ça, j'aime pas. Ça me saoule ça. Pour ça que tu as dit à ta fille de venir enlever les Non, c'est pas ça. Non, ça m'a envoyé. Non, c'est pas ça. Ma fille, elle va C'est pas ça. présenter à tes gens. C'est pas. Putain de merde. Vous voyez alors, le Congo, ça, tellement il y a des choses que. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est son son de merde. Maintenant, je t'explique pour comment on appelle ça. Pro. Maintenant, pour le bar. Venez voir sur votre truc. Mais réponds. Mais je comprends pas pourquoi. Non, je comprends pas. Je suis pas dedans. Donc. Plusieurs fois, tu m'envoies. Ah ben voilà. Tu demandes à ta soeur. Et celle-là, tu l'as. Les clés, de fermer la porte. Oui, mais 4 000 euros. Tu as témoigné. Non, je rigolais. Merde, je dis. Voilà, c'est ça ici. Alors, je vous fais écouter.
une partie du voice là où il m'a insulté. Vous voyez, le jour que j'ai fait le live avec notre boss, il a dit, vous vous rappelez, non? Qu'il y a eu 5 000 vues et tout ça là. Et sur ces 60 combien de partages. Le jour là, à 14 h, l'imbécile m'avait insulté. Il m'avait débloqué. Sur mon deuxième compte Facebook, il m'avait débloqué. Il s'est permis de m'insulter, je ne savais pas. Donc, quand j'ai dit à son boss que je venais faire le live à 20 h, son boss m'a demandé de pas le faire et tout, machin, de retirer même mes publications et tout. J'ai dit non, ça va rester là. J'ai dit bon, je vais quand même, j'ai quand même dit à son boss que je viendrai quand même vous dire que bon, pour le moment, on calme d'abord l'histoire parce que j'ai donné jusqu'au 1er juin à son boss pour qu'il me rembourse mes 4 600 euros. Sans savoir que Sora, le descendant de on appelle ça comment là? Du gorille m'avait insulté. Donc, je ne sais pas si vous allez bien entendre. Il dit que vous, que grâce à moi, vous vous êtes abonné à lui. Vous étiez même en Côte d'Ivoire avec lui. Donc, venez vous dénoncer cela. Venez vous dénoncer. Voilà. Oh, la connexion, connexion, c'est connexion lente là. Ah. Dans ce que tu fais là, et que quand tu fais, il y a des filles qui cherchent en voix, d'autres ne sont pas. Comme je te disais, grâce à toi, et je t'envoie quelques vidéos. On a passé du temps à Abidjan, on a fini, bah, il y a des filles qui cherchent en voix, d'autres ne sont pas. Comme je te disais, grâce à toi, et je t'envoie quelques vidéos, quelques photos de moi que tu peux publier. Grâce à toi, ces personnes ont quitté l'Europe pour venir me voir. Elles sont venues sur mon Facebook, m'ont envoyé une amitié, m'ont parlé, voulaient me voir. Elles sont venues, donc grâce à toi, j'ai plus besoin de draguer en fait. Les filles, elles viennent. Donc, on a passé du temps à Abidjan, on a fini, bah, elles sont rentrées, moi aussi, je suis à Paris. Et il y a des choses à faire, mais pendant ce temps, j'ai d'autres filles encore à rencontrer. Je vais les croiser, je t'enverrai encore d'autres photos si tu veux. D'accord? Ok, je t'envoie des vidéos, tu vas publier. Qu'est-ce que j'allais dire, ma chérie? Quand on dit Ngongo, pardon, laissez-moi d'abord chanter, s'il vous plaît. Ouais, bénédiction sur les dragués, mon gars. Non, 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 non. Il faut de tout pour faire un monde vrai, ma parole. Ouais, attendez, je chante ma chanson, pardon. Attendez, je chante ma chanson. Mais luxueux sont les craqués, les voyants. Ouais, Seigneur Jésus, beaucoup. On peut mentir comme ça. On peut être mythomane à ce point comme ça. Yeah! Bon, Elsa, c'est toi. Lyon, c'est toi. Pardon, venez vous dénoncer. Il dit que, oui, les filles, vraiment, vous voyez, 47 ans. Le 18 mai, si. 47 ans. Né le 18 mai 1977. Se comporte encore comme on rapalmis. Seigneur Jésus. Tout ça pourquoi? Donc tu crois que je suis tellement bête que je vais donner ton nom des réseaux sociaux? Parce que dans tes publications, tu as des publications qui datent des mois, tu n'as que 3 vues. Donc tu comptes sur moi, mais tu mens, je suis désolée. Quand moi j'étais comme toi, là, on m'appelait ma une vue, ma 2 vues là.
C'est pas toi qui étais venu me booster. Non, je me suis boostée tout seul. Alors, moi, je vais te donner un conseil, Oulari Théophile. Je vais te donner un conseil de petite sœur. OK? Ouais. Je vais un peu ouatiser un peu là. OK? Je vais te donner un conseil de petite sœur. Alors, pour booster tes pages, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, parle-moi. OK? Prends tes noyaux, tu les poses, d'accord? Tu allumes la caméra, tu parles de moi. Tu n'as même pas besoin de faire des partages. Je te promets que tu auras des vues. Ah ben ça, tu vas te rendre star. Comme d'abord la Starmania t'a loupé parce que tu voulais être comme Douce Saga. Oui. Je me demande même si tu ne mougoulissais même pas avec Douce Saga là. De toute façon, tu es là, on dirait les squelettes de ta matière là. Wallahi. Moi-même, je me pose même des questions. Non, mais je me pose des questions. Toute ta vie, c'est le mensonge. Tu crois que quelle est une de mes fans qui va venir? Qui? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Mythomane que tu sois. Jusqu'à dire qu'actuellement, je suis à Paris. Tu n'es pas à Paris. Ton patron m'a dit, et j'ai des preuves de ça. Ton patron m'a dit que tu n'es pas à Paris. Tu es à Abidjan avec lui. Voilà. Ton patron n'est pas un menteur. Oui. Si je n'étais même pas en couple là, j'ai dragué même ton patron Aura. Mais bon, tu as la chance que moi, d'abord, un, je ne drague pas les hommes, et de deux, je suis en couple. Mais si j'étais en mode célibataire là, je devais séduire, c'est-à-dire au lieu de me plaindre chez ton patron, je devais plutôt le séduire. Et te montrer que nous, les Camerounaises, on dépasse la Côte d'Ivoire côté drague. Tu as compris? Regarde-moi un renton comme ça là, un chien galé comme ça là. Tu me peux, il est quelle heure, mes douceurs, parce que j'ai dit 30 là. Il est 16. Je dois appeler mon gars. Hein? Regarde-moi un renton. Un renton. Après l'amour, c'est pas la guerre. Tu as mal parce que je t'ai largué. Oulari Théophile. Voilà, il est sur la tête de la tombe de ta mère. Fais un live sur ton mur. Viens témoigner que oui, tu m'as largué, on voit. Il n'était pas dit de prendre l'avion pour venir en France. Il était seulement dit que assieds-toi avec tes noyaux. Que les poils blancs là, assieds-toi avec tes noyaux. Hein? Et tu parles de moi. Tu dis comment tu m'as largué. Tu montres les preuves. Tu dis comment tu ne me dois pas de l'argent. Tu montres des preuves. Tu parles comment j'ai une chair dans mon anus. Tu montres tout ça, vu que tu as tout ça, non? Comment tu sais que j'ai la chair derrière mon anus? Hein? Ou alors tu confonds ton anus à la mienne, je ne sais pas. Hein? Ou tu confonds ton anus à la mienne, je ne sais pas. Parce qu'actuellement, celui qui monte sur moi là, c'est un mignon cité. C'est un bébé au lait. Lui n'a pas vu ce que tu vois là. Il n'a pas vu ce que tu dis là. Il n'a pas vu ça. Alors qu'il est du même continent que toi, la Côte d'Ivoire. Il se demande comment ses grands frères deviennent gigolos. Mais il fallait voir comment tu passais tout ton temps à tailler le Cameroun. Insulter les Camerounais. Tous les jours, tu m'envoyais des vidéos TikTok là où on insulte les Camerounais. Tu es qui par rapport même à un Camerounais? Tu n'es rien. Un petit pédé de Rennes qui faisait de la prostitution à Rennes, Paris, il n'a même pas honte. Tu n'as même pas honte. J'arrête mon live dans quelques minutes. Mais j'ai dit, pour mes fans, abonnez-vous ici. On va continuer le Congo ça is là. Juste, il ne me remet pas mon argent, on va continuer. On va continuer ici, là. Et je vous jure qu'il a la chance que je ne connais pas les way du Mbowala, là. Je vous jure qu'il a la chance que je ne connais pas ces way-là. C'est que je devais lui faire. Allez toujours manger l'argent des gens. Allez toujours manger l'argent des gens. Oui, j'ai acheté une voiture. Non, ma Range Rover, je vais compléter. Mais achète même les villas. Achète même Titanic. Je m'en bats les couilles de ta vie. Moi, je suis bien dans mon coin. Je paye mes factures. Je suis, voilà. J'ai quelqu'un dans ma vie. Voilà. On s'appelle tous les jours. On dort même au téléphone. Ce que je ne faisais pas avec toi. Hein? Ce que je ne faisais pas avec toi.
Ce que je ne faisais pas avec toi. Il parle à mes enfants. Même quand je dis un peu que bon, aujourd'hui, je ne donne pas de nouvelles, je veux voir s'il va m'appeler. Il m'appelle. Il n'a jamais passé 24 heures, mon chéri, là, sans m'appeler. Sans m'appeler. Même si tout à l'heure, là, je vais l'appeler, là, il ne va pas décrocher. Mais 20 minutes, 30 minutes, il ne va pas passer sans qu'il m'appelle. Il va m'appeler, sauf quand peut-être qu'il avait ses amis sur TikTok. Là, je respecte parce que moi aussi, je suis sur TikTok. Dans mon... Voilà, c'est comme ça. D'accord? Ce jeune me respecte comme moi, je le respecte. Il m'avait même donné des conseils de te laisser partir avec ta malchance. Mais je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Parce que si je te laisse, tu vas passer tout ton temps à escroquer les gens comme ça, là, à voler les gens, surtout les femmes. Je ne laisse pas. C'est bizarre. Ah ben, pour le prochain live, je vais faire écouter là ça. Mon prochain live, peut-être ça peut être demain, hein, peut-être ça peut être après-demain, moi je ne sais pas. Parce que ma boss dit, moi je n'ai pas trop fait les lives, mais je suis désolée, je veux faire. Voilà, il est temps de faire plein de lives. Mon prochain live, je vais faire écouter, malgré que on entendait un peu le bruit de voiture. Là où tu reconnais me devoir mon argent. Là où moi je te dis, tu es le premier con. Et le dernier imbécile que je vais encore donner mon argent. Et toi, tu m'as répondu, moi, Pamela, je suis la dernière femme avec qui tu vas encore faire le love-love, comme maintenant tu vas faire de la prostitution. Mais tu es déjà prostituée, tu vas juste continuer ton chemin. J'ai même oublié le côté là. Et ce jour-là, je vais venir, il n'y aura pas ta photo, il y aura moi, le live que je vais faire la prochaine fois, parce que j'ai les éléments à montrer. Et pour montrer, il faut enlever l'arrière-plan que j'ai mis là. Je vais montrer les éléments. Et je vais invoquer ta mère. J'ai la photo de ta mère. Si tu crois que je mens, je publie. Je vais invoquer ta mère qui est derrière squelette. Je vais l'invoquer. Que là où elle est là-bas, moi je respecte les morts. Qu'elle te dise. Qu'elle te dise, qu'elle vienne dans les rêves te parler, ou qu'elle vienne même physiquement, j'en sais rien comment on appelle ces choses-là, qu'elle vienne te parler, que remets l'argent de cette femme. Remets l'argent de cette femme. Parce que la façon dont tu fais les larmes de crocodile, que tu pleures, ta mère te manque là. Si tu sais que tu as aimé ta mère, si tu sais que tu es sorti d'un vagin d'une femme, remets mon argent. Je ne suis pas ivoirienne. Mon bon cœur là peut se transformer en un gros cœur que tu ne peux même pas imaginer. Donc remets-moi mon argent. Comme tu voulais que je dise à mes fans que c'est toi qui m'as barré. Oui, mais luxueuse, c'est lui qui m'a barré. C'est le rap Palmissi qui m'a barré. Voilà pourquoi je me venge sur lui parce que je l'aime encore. Ça, ce sont ses dires. Mais pour ceux qui me connaissent, moi je ne dure pas dans mauvais rêves. Je ne me vante pas de vie. J'ai viré cet imbécile depuis déjà. Quand il était même encore en Côte d'Ivoire, il m'avait dit que non, que j'attends qu'il arrive, on va parler face à face. Et en attendant qu'il arrive, malheureusement pour moi, on a fait la paix et on a recontinué la relation. Même quand il est même arrivé ici, là, je lui ai dit de ce mec avec la mère, la blanche ou l'arabe qui a fait deux enfants avec lui, deux enfants métis qui n'assument même pas. Il avait même écouté mon voice. Mais il faisait toujours comme si rien n'était, comme s'il n'avait pas écouté mon voice de séparation. C'était chez moi, dans mon salon, que j'avais fait ce voice-là. Je lui avais dit que par amour pour lui, je préfère qu'il aille se mettre avec la mère de ses deux filles, parce qu'une femme qui appelle un homme, alors qu'ils ne sont plus ensemble, à 4 heures du matin, 3 heures du matin, quelle femme peut accepter ça? Moi, je lui ai dit que moi, je les laisse. Mais l'imbécile a fait comme s'il ne comprenait pas. Il est resté toujours avec moi. Comment tu peux rester avec une femme sale comme moi? Comment tu peux rester avec une femme qui pue comme moi? Non, mais question quoi? Allô quoi? Hein? Maintenant, comme je t'ai viré, c'est toi qui es maintenant la victime. C'est toi qui m'as viré. Mais on s'en fout même qui a viré qui.
Ce qui est sûr, c'est que je ne t'aime plus. Oui. Ton petit frère, je peux même dire que ton fils a pris mon cœur. Parce que mon chéri a 30 ans. Toi, tu as 47. Le 18, tu as 47 ans. Le 18 mai, là. Donc, à ton âge, là, tu pourrais bien faire un enfant de 30 ans. Ouais. À 15 ans, on fait d'aller les enfants ici dehors. D'accord? Donc, je t'aime plus. Reste avec tes Range Rover de merde. À Abidjan, là-bas, tu roules avec la voiture de soi-disant de ta fille qui prouve même que c'est pour ta fille. Mais tu fais croire aux gens que c'est pour toi. Tu n'as rien. Que dalle. On voit même la valise. La valise, la soi-disant valise d'un homme d'affaires. Ce sont les sacs, les valises qu'on va à chaque château rouge là, à 12 euros. Là. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas une vraie valise. C'est moi qui t'avais acheté une vraie valise à Lyon. Tu n'as pas de valise. Même simple valise pour voyager avec, tu n'as pas. Tu n'as pas. J'étais chez toi, la seule valise que j'avais vue, c'est la valise de l'époque de 1900, l'époque de guerre, là. Les valises dues, là. Qu'on ne voit même plus ça sur le marché. C'est la seule valise, là, que j'avais vue chez toi. Tu n'as rien, tu es que dalle. Voilà qu'on t'a foutu dehors. On te demande de rendre l'appartement, tu n'as même pas honte. Mais tu gagnes 2 millions de francs, 2 millions de francs en Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Une saleté comme ça, là. Donc, prochainement, mes luxueux, je suis désolée, je dois couper le live. D'accord? Maintenant, comme vous connaissez déjà où me trouver, sachez que avant que je fasse le live, même 2 jours avant ou 48 heures avant, j'en sais rien, ou peut-être le matin pour faire le soir, j'annonce ou la veille. J'annonce, non, je vais toujours annoncer la veille. Si c'est vraiment trop tard, j'annonce la veille pour vous dire que je ferai un live ici. D'accord? Et c'est ici que je vais annoncer pour partager. D'accord? La prochaine fois, je me mettrai, vous allez me voir, c'est prêt à Dieu. Et il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de voices, il y a beaucoup de preuves. Mais je vous jure, il va payer, comme on dit en anglais, il va payer mon argent. Voilà. J'accepte qu'il m'a brisé le cœur. J'accepte que je l'aime encore. J'accepte qu'il m'a barré. J'accepte que je pue. J'accepte que j'ai... Oh, c'est la chair derrière mon anus, comme il dit. Oui. J'accepte qu'on m'a arraché mes enfants, que je n'ai aucun... Voilà, on m'a pris tous mes enfants. Ça, j'accepte. Oui. J'accepte que ma maison est sale. J'accepte. Mais on revient toujours sur le même point. C'est mon argent. Mes 4 600 euros. C'est tout ce que je demande. C'est-à-dire... Passe même à Télé-Croix, Télé, je ne sais pas quoi, en Côte d'Ivoire là-bas. Insulte-moi là-bas. Moi, tout ce que je veux, c'est mon argent. C'est mon problème là-bas. Va même Mougou 10 000 francs. Moi, je m'en fous. Moi-même, mon Mougou déjà dans perso. Déjà, même Mougou, même tu ne sais même pas Mougou. Donc, ça m'apporte peu, tes débats sexuels. Je m'en bats les couilles de ça. Parce que toi, homme, tu es dedans. Femme, tu es dedans. Donc, perso, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, j'ai un bonbon qui me tient bien. Bien même dans le mogoulé. Je dis que bien même. Bien. Et correctement et bien. Toi, là, pour le mouiller de son état. Pour le mouiller de ton état. Précoce. Pour le mouiller de son état. Et en plus, en précoce. N'importe quoi. Bon, mes luxueuses, il est temps de vous laisser. Vous avez venu gâter mon mariage ici, là. Mon bonbon à couler est en train de gonfler chez lui, là. Je vais l'appeler, il ne sait même pas s'il va décrocher. S'il décroche, j'arrête le live, ok? S'il décroche pas, on continue un peu à ce qu'il m'appelle. Mais bon, deux fois, il peut m'appeler à minuit. Hein. Mais il ne dort pas sans m'appeler.
Je vous ai dit non. Voilà, il n'a pas décroché. Donc, alors, je sais qu'il a coûté du téléphone. Parce qu'il va encore me sortir que oui, tes fans sont plus importants que moi. Alors que, ah, mon frère, si je m'ennuie, j'ai un souci à régler, je règle mon problème. C'est pas devant lui que je vais régler mon problème. C'est pas devant lui que je vais régler mon problème. On n'avait pas fini le voice aussi. On va finir le voice du monsieur aussi. Après, on va quand même arrêter le live. Je vais aller... j'ai des choses à faire de toutes les façons là ce soir. Quand on sortait à Rennes, on est même parti à Nemas voir son neveu. L'argent qui sortait de sa poche là, c'était mon argent. Vous êtes parti où? À Nemas, chez son neveu. Oui. Le 30 décembre dernier. Oui. Oui. Les 200 euros qui sortaient, les billets de 200 euros qui sortaient, tout ça là. Il est même, je ne sais pas si vous avez son Facebook, il y a une vidéo là où il a publié, il est en train de prendre un portefeuille dans la chambre, dans un coffre-fort. J'ai loué une nuit d'hôtel dans l'un des plus grands hôtels de Lyon. Ah bah, moi, je n'ai pas son Facebook, je ne connais, connais même pas, madame. Et tout l'argent qu'il montrait sur sa vidéo, là, c'est mon argent. C'est mon argent. Et je sais même qu'il m'a même volé. Clochard. Ah oui, il m'a même volé 200 euros. En plus. Oui, il m'a volé 200 euros. Ouais. Moi, je ne suis pas bête. Moi, je suis quelqu'un. Je ne suis pas matérialiste. Oh, vraiment. Moi, je te donne ma chance. Hey. Je te fais confiance. Plus clochard que toi, il n'y a pas de... Parce qu'un soir, à la maison, je lui dis, il reste combien? Il me dit 300 euros. Je dis, bon, passe-moi les 300 euros, là. Il me dit, regarde là-bas, c'est dans les poches, machin, machin. Je dis, ok, je prends les 300 euros. Comment ça se fait que moi, je prends les 300 euros? Mais je retrouve quand même un billet de 200 euros dans son portefeuille. Qui m'a même menti que on a volé ça chez moi. On n'a pas volé, c'est lui le voleur. Tu sors avec une nana, demande si tu veux l'argent, demande-moi. Alors qu'il savait bien, je l'ai toujours sorti de la merde. Il n'avait pas de quoi manger à Rennes, c'est moi qui l'envoyais de quoi manger. Même pizza, il n'avait pas. Même kebab, il n'avait pas. Les hommes d'affaires de la Côte d'Ivoire, c'est moi qui faisais les virements pour qu'il puisse acheter de quoi manger, pour qu'il puisse acheter le lait, pour qu'il puisse. Parce que monsieur, il adore le luxe, mais avec les poches vides et les testicules pleines de tout ce qu'il sait faire. Moi-même, là. Si votre femme est en Côte d'Ivoire là-bas, ah ben. Moi, je pense qu'ils se sont déjà vus. Hein. Parce que ceux-là s'aiment. J'ai tout fait pour les séparer. J'arrive pas. J'ai alors dit que bon, tu vas aller. Moi, je lui ai dit, moi, je te laisse avec Kelly. Va l'épouser. C'est ce que moi, je lui ai dit. J'ai dit que moi, je te quitte. Je te laisse avec Kelly. Va l'épouser. C'est elle maintenant qui va dépenser son argent pour toi parce que moi, j'en ai marre. J'en ai marre que je dépense pour un homme. Je me sacrifie pour un homme, je me mets dans la merde pour un homme. Et le remerciement, c'est l'infidélité, le mensonge, le vol. Vraiment. La dernière fois qu'il était chez moi, on a eu des problèmes, comme je vous ai expliqué. Il me demande ma carte bancaire. Il ne dit même pas s'il te plaît. Il ne demande même pas ça poliment. Manque d'éducation de base. Il veut un d'avion, il veut payer. Il est comme, ben, moi, je suis à découvert pour le moment. Attends un peu. Que je gère un peu mon découvert. Comme ça, on peut réserver tes billets. Je t'ai promis de te payer le billet, vu que ton patron ne veut pas te payer le billet. Je vais le faire. Sûrement, il a demandé à Kelly. Kelly, peut-être qu'elle n'avait pas de quoi payer. Moi, je sais qu'il a demandé à Kelly. C'est comme ça, donc, je lui dis là où il y a la carte et tout. Il prend la carte. Il me raccroche au nez. Donc, je l'envoie un long message. Il dit, mais tu me prends pour qui, toi? Tu me prends pour ta pute? Tu me prends pour ta mère, tu me prends pour ta Banque de France. On t'a pas appris à dire s'il te plaît, on t'a pas appris à dire merci. Voilà d'où les problèmes ont commencé. Et après... Oui, c'est... On va laisser pour les voix aujourd'hui. Parce qu'il faut que ça soit une guerre infinie tant que mon argent ne sort pas.
Qu'est-ce que je voulais ajouter là? Tac, 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 putain, je voulais rajouter un truc là pour finir le live. Ouais, il m'a fait pour une pute, oui, carte bancaire, oui. Ouais, putain, mais j'avais un truc en tête là, mais. Voilà, bon, Ola et Tofi, tu vois, moi, quand j'ai besoin de. Quand j'ai envie de te laver avec des déchets de porc là. C'est-à-dire quand le porc fait caca et tout cela. C'est ça que moi je prends pour te laver avec. Moi je ne me cache pas en inbox, tu vois, ou pas. Je t'avais bloqué l'autre jour, je t'ai débloqué. Mais juste, je t'ai bloqué en mode de message parce que je n'ai plus envie de voir tes messages. Tes messages, tous tes messages que tu m'as envoyés, c'est la police qui a vu ça. Moi, je n'ai que faire, je n'ai que apporter ça là-bas. Je n'ai pas peur de toi. Je t'aime plus. D'accord? J'ai ouvert les yeux et j'avais bien ouvert mes yeux. Voilà, mais bon. J'ai juste tombé que je suis quelqu'un qui a un cœur. Mais derrière ce cœur-là, il faut faire très attention. Très, très attention. Comme tu n'as peur de rien, c'est très bien. Sache que je suis ton cauchemar aujourd'hui, demain et après-demain et après-demain et après-demain. Tant que tu ne me remets pas mon argent, je serai ton cauchemar. Et comme j'ai dit, je vais demander à ta mère qu'elle te parle. Tu m'as traité de folle. Je suis une folle. J'assume. Je suis une folle. Je vais donc te montrer qu'on ne mange pas l'argent des folles. Oh ouais. On ne mange pas l'argent des folles. Tu n'as pas voulu écouter ton patron. Ok. Ton neveu croit à ce que j'ai dit. Ton meilleur ami qui est à Rennes, que je vais taire son nom. Crois à ce que je dis. Mais toi, tu racontes partout que je ne te dois, tu me dois rien. Ok. Il n'y a pas de souci. Il faut assumer après. Hein. Voilà. Il faut seulement juste assumer après. Comme tu ne me dois rien là. Il n'y a pas de problème. Tu sais, je n'attends pas mes 4600 euros pour vivre. Hein. Oulaïtophile, masculin, 18-5-1961. Ouais. Cycle de ce jour, ouais. Putain, je n'avais pas pris derrière aussi. Ah, c'est ton rib qui a ton adresse et tout. Ok. Mais pourquoi je n'avais pas. Est-ce que je n'avais pas pris derrière, une photo derrière? En tout cas, comme j'ai dit, je ne vais pas te lâcher. Si tu as des choses sur moi, publie. Hein, y a pas de souci. Ben, ne publie pas en privé. Il faut venir en public, tu fais ça, c'est mieux. Parce que moi, mes abonnés adorent le Congo, ça. Voilà, donc... Ne fais rien en privé. Viens en public, si tu es un homme. Je te donne le défi de venir avec tes noyaux en public, si tu es un homme. Tu viens, tu t'assois, tu parles de moi. Je vais même t'aider à partager, tu vois. Là, oui, je peux le faire. Je vais t'aider à partager. Comme ça, au moins, je vais faire ta pub. Comme ça, au moins, tu auras des abonnés que tu rêves depuis. Un salopard comme ça, là. Oui, c'est que j'avais d'abord notre compte Facebook. Tellement, je me faisais graguer ma puce. Tellement les filles m'envoient de la nudité, j'étais obligée de couper ma ligne, de me désabonner parce que j'en pouvais. Maman, on peut mentir comme ça. On peut être mythomane comme ça. Ah non.
Non, 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 non. J'ai jamais vu. Moi-même, là, je ne suis pas fière de moi. J'ai seulement pris devant le dentiste de ce jour. Pourquoi, là? Ah. Je ne suis pas fière de moi, là. Faut que je réfléchisse. Je sais que j'avais pris un document de toi, non? Je crois, je ne sais pas. Putain. Mais bon, c'est pas grave, heureusement que j'ai déjà ça. Bon. Bon et bon et bon et bon et bon et bon et bon. Mais Jean, on va s'arrêter là, non, pour ce soir. On va s'arrêter là pour ce soir. Je veux pas quand même me conseiller d'arrêter parce que je vais pas arrêter, je suis désolée. Voilà, je vais pas. Qu'il sache que même comme il a pris mon argent là, Dieu envoie des gens pour me donner plus que ça. Il faut lui dire ça. En tout cas, ne lui dites pas ça parce qu'il est là dans le live. Voilà. D'accord? Pas plus tard que même encore hier. Il y a un blanc qui me grague depuis, que j'ai envoyé balader plusieurs fois. Hier même, c'est la première fois que je l'ai même manqué de respect. Parce qu'à chaque fois, il m'appelle, je ne réponds pas. 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 Hier, il m'envoie un message. Déjà, il m'envoie d'abord des messages déjà avant. Il dit s'il m'a offensé, il demande pardon, que vraiment il veut me voir, machin, blablabla. Je ne réponds pas depuis. Et moi, je parle du blanc qui me grague. Et là, maintenant, il m'envoie un message hier. Il me dit, on peut se voir quand je te donne 1000 euros. Écoutez la sorcellerie. Hein. Parce que moi, Diva, quand je vais entendre 1000 euros, là, c'est là que je vais répondre ou que je vais sauter. Je lui ai envoyé balader avec ses 1000 euros. Je lui ai dit que tu me prends pour qui, que va te faire foutre avec tes 1000 euros. Je l'ai bien insulté. Malgré même que je l'ai insulté. Il revient en charge, il me dit, oh, calme-toi. Il n'y a que mais. Il me calme comment? Du moment qu'on me manque de respect, je manque de respect à la personne. Point barre, c'est tout, c'est comme ça. Il y a pas de, je ne négocie rien du tout, c'est comme ça. Il a fait peut-être 10 minutes, il m'a plus écrit. Il me relance en disant, la semaine prochaine, si tu es là, on se voit, je te passe les 1000 euros, machin, j'ai envie de. Voilà, de te les donner, alors que je n'ai même pas demandé. Donc, tu vois, déjà la semaine d'avant, déjà, j'ai eu un cadeau de 1300 euros. D'accord? Moi, je m'adresse à toi, Oulali Tofil. Juste la semaine d'avant, j'ai eu un cadeau de 1300 euros, plus un restaurant de luxe, d'accord? Sans demander quoi que ce soit et sans rien donner en retour, d'accord? Donc imagine-toi alors, si je joue mon charme, je demande, ben j'aurais même dans les 10 000 euros ou plus, ou même 5, ou même 5 000 euros, tu vois. Donc, toi, tu veux me voler. C'est ta malédiction que tu as pris comme ça. Ça, c'est sûr et certain. Tu vois, non? Et depuis que je suis plus avec toi, moi, je n'ai plus trop de problèmes de découvert. Je suis en train de payer ce que tu m'as laissé payer, ce n'est pas grave. Mais j'arrive un peu à, voilà, à m'en sortir par rapport à quand j'étais avec toi. Avec toi, je ne pouvais même pas m'en sortir. Je plongeais, que je recevais même les courriers de ma banque. Mais depuis que je suis plus avec toi, je ne reçois plus le courrier de ma banque. Et je suis bien comme ça. Et je suis très fière de moi. Oui. Et je vais continuer comme ça. Oui. D'accord? Au moins là, actuellement, j'ai 1 euro de côté pour façon de parler, quoi. Avec toi, je n'avais même pas 1 centime de côté. T'as vu? Donc, toi, tu étais vraiment le mauvais esprit qui est entré dans ma vie. Tu étais vraiment ce mauvais esprit-là. Mauvais esprit de merde. Ok, bon.
Mais, Chou, il y a le foot aujourd'hui. Qui joue encore? Aïe. La télé ne peut pas tomber en panne. Tu me rappelles après le foot. Je sais que le foot va finir à quelle heure? Les affaires de match, c'est. Je déteste le foot. Hein. Tu me rappelles après le foot. Ben écoute, il n'y a pas de souci. Moi, je finis le live et ben, j'attends ton appel alors, ok? Bon match. À tout à l'heure, bisous. Affaire de foot là, avec les hommes, hein. Je n'aime pas le foot. Affaire de foot là. Oh là 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 là. Bon, allez, on plie bagage, je vous fais des gros gros bisous. Et merci pour ceux qui se sont abonnés à moi, je ne sais pas. Merci à ceux qui se sont abonnés à moi. Merci à ben, de votre visite. Hein. Si vous avez partagé, je ne sais pas du tout parce que je ne vois rien du tout. Je vous remercie. Voilà, donc on va faire étape par étape. Je vous dirai la prochaine fois quand est-ce que je vais faire le live. Toujours ici. Voilà, on va faire un peu bouger ce compte, cette page, quoi. Qui a trop dormi. Ok. Bonne fête. Je sais pas si c'est. Je sais pas quelle fête il y a demain. Si c'est Pentecôte ou Ascension. Je ne sais plus, maman. Oui. Dieu même là, vraiment, il va se fâcher contre moi. Hein. En tout cas, bonne fête à tous les chrétiens, les non-chrétiens. Et on se capte. Donc, pour les femmes, faites les captures d'écran de ce individu de merde là. Voilà, on ne sait jamais. Ok? Voilà, voilà, je vous fais des gros, gros bisous. Et hasta la vista. À la prochaine. Bisous, bisous.